On s'en va. Bonjour à toutes et à tous. Ben oui, Colin, notre sarrau de résidence, Yann Becker, qui est avec nous dans ce dossier spécial de l'addendum. Yann, dissèque, de quoi qu'on parle aujourd'hui, mon cher? Ben, on va reparler de notre traître des jus, Casas Novas. Donc, j'avais une deuxième partie sur lui avec ses belles réussites et puis ses challenges récents. Donc, là, je vous ai mis quelques petites vidéos pour reprendre là où on en était. Puis, on va pouvoir glisser tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va voir aujourd'hui, c'est quoi la business de Casas Novas, quels ont été ses problèmes avec la justice, quel est le côté sombre de Casas Novas, et puis si on se rend, on va avoir un petit cadeau en ciné-conspi. Ah, j'aime ça. Ben, parfait, ça. Merci beaucoup, Yann. Donc, tout de suite, ça fait plaisir. On s'en va dans notre petite, si j'ai bien compris, une espèce de catching up pour faire un résumé de la première partie. Mm-hmm. Ouais. Et je vais m'arranger pour mettre le lien dans la description. Tiens, je veux te tasser. Et on se lance. Merci tout le monde d'être avec nous. Lord Maxella, votre youtubeur élite préféré numéro 1. Je suis parti de YouTube il y a quelques mois à la recherche d'une meilleure. Ouais, il a un peu de la bière. Ça s'appelle Upgun. Vous pouvez le sur Steam, c'est gratuit avec vos amis. Et alors, j'ai trouvé la chaîne de mon sauveur, Thierry Casas Novas. Au Titi pour les intimes. Des pouces bleus pour Titi, envoyez. Merci. Merci, ciel. Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai aucune légitimité. Thierry Casas Novas, là, comme vous pouvez le voir, il a subi quand même une transformation physique qui est assez impressionnante. Mais toi, je vais voir un petit peu ce que ça fait. Essaye, quoi. Essaye. On va voir pourquoi après, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe avec lui. La mort et chimiothérapie n'apporte rien. Globalement, ces médicaments sont en train de vous tuer. Tu vas mourir. Aucun médicament n'a jamais guéri personne. Tu vas aller doucement. Tabarnak, c'est bien. Le catabolisme et la mort. Oui, rien n'a jamais guéri personne, à part les jus qui peuvent faire repousser les bras. C'est littéralement des propos qu'il a tenus dans une de ses vidéos. Sans, ça marchera pas. Si tu veux que ça marche, c'est avec. Vous êtes presque 1000 là à écouter cette vidéo. Salut à tout le monde. Mais envoyez des petites pouces bleus. Envoyez des pouces. Allez, un petit coup de pouce là pour motiver. Allez, un petit like. Petit effort. Faites des efforts dans le chat, like, mettez des globos pour des petits likes. Allez, vas-y, laissez un petit like. Parce que vous kiffez quand on bien, merci Mac the Great d'être passé. C'est trop bizarre de parler comme ça à son audience, genre c'est des chiens. Allez. C'est insupportable. Il est possible que vous connaissiez déjà Thierry. Le roi des rats en avait parlé en vidéo quand il vendait encore des extracteurs de jus. Et pour vous rafraîchir en mémoire, j'ai trouvé un extrait sur la chaîne de Thierry qui montre comment est-ce qu'il vendait ses extracteurs. C'est pour ça que je dis toujours genre, quand vous ne savez pas par où commencer, prenez un extracteur de jus, prenez une corbeille de fruits, commencez à faire des jus, ne réfléchissez pas. Voilà, t'as une maladie, ne réfléchis pas, prends un extracteur. Et donc ce qu'il fait en fait, c'est qu'effectivement, il vend des jus et puis des extracteurs de jus, puis ça gamique principalement, puis il vend des crus. Si vous n'êtes pas en capacité de réfléchir, ne réfléchis pas. Et puis ça pogne assez fort. Alors suivez-moi dans l'exploration. Ça pogne assez fort parce que ce qu'il fait en fait au travers de ça, c'est qu'il vend un style de vie en fait, un style de vie sain, un style de vie bio, un style de vie qui évite les maladies. Mais derrière, il cache quand même une grosse sauce. Et si on se fie à la génération, et puis beaucoup de choses qui sont vraiment louches. On est parti avec Casas Novas. C'est un amoureux de la nature. Il baisse des arbres. Et c'est sur internet depuis son jardin qu'il partage des conseils de santé et son interprétation du fonctionnement du corps humain. C'est d'ailleurs sur sa chaîne que j'ai appris que pour Titi, la dépression finalement c'était un signe de bonne santé. Moi, la dépression est une réponse normale et non pas pathologique. C'est même un signe de bonne santé pour moi. Ouais, la bonne santé. N'est-ce pas Feldup? Comme mais beaucoup, ils considèrent que la maladie est un symptôme de guérison plutôt que... J'adore la dépression. Thierry se décrit comme un plutôt patient de physiologie et se présente que comme l'expression d'une maladie de sa méthode. Vraiment, regardez-le biologie avant. Biologie totale. Regardez-le après.
Absolument. J'ai League of Legends. Et pour lui, sa transformation, c'est bien. Je ne suis pas sûr qu'il se revendique de Hammer, mais c'en est pas loin. Au niveau business plan, c'est le top. Ça l'aide vraiment à vendre de la santé. Donc, mais on avait vu aussi le dans la première partie qui se prévalait d'être un enfant de la santé. Alors c'est bien, mais il n'a pas de qualification. Il n'est pas professionnel. De burger ou quelque chose comme ça, un médecin allemand qu'on va revoir plus loin normalement dans la. Je pense que c'est lui, Rickard Hammer, qui disait. Et on est bien d'accord. Moi non plus, je ne suis pas qualifié. Mais moi, il me semble que c'est un mot, mais des lavements intestinaux maintenant, je t'aime confus. Et je ne prétends pas non plus savoir soigner le cancer avec des fruits et des exercices de respiration. Ça, on y revient un peu plus tard dans la vidéo. D'où est-ce qu'il sort Thierry pour dire des trucs comme ça? Thierry est sorti de sa mère en 1974 et a essayé de la tuer 25 ans plus tard. Sous la voiture de mes parents, en train de bricoler le système de freinage de manière à ce qu'il puisse s'écraser contre un mur. J'avais fait en sorte que mes parents meurent. Donc j'ai essayé de les tuer. Ça, c'est un détail. On apprend à travers son film professionnel qu'à 33 ans, donc en 2007, il était au bord de la mort. À 33 ans, je me suis retrouvé dans un état... 33 ans, hein. Et dans le film, on nous explique pas trop pourquoi c'est il était mort. Dans une autre interview, il 33 ans, c'est l'étape suivante après 22. La qualité de l'alimentation, c'est certain que ça... T'as 22, c'est Gloriane, puis 33, c'est Jésus. Entraînement physique, épuisement moral, épuisement physique. Alors, il dit qu'il a failli mourir à cause du stress, de la fatigue, d'une alimentation pas ouf, et c'est pas quelque chose de peu commun. On peut tous se reconnaître presque dans au moins un des points. Ah... Quelle naïveté. Si on remonte un petit peu le temps, il ne donnait pas la même version avant. Beaucoup de stress, consommer pas mal d'alcool, occasionnellement des drogues. Je buvais énormément. Beaucoup d'alcool, beaucoup de stupéfiants de divers types. J'ai surconsommé alcool et drogues diverses. Utilisation de produits stupéfiants, alcool, mauvaise alimentation. Tout de suite, l'histoire est pas la même. En fait, il prenait beaucoup de drogues. Ah, ça se calcule très bien comme ça. Donc, suite à une consommation importante de drogue et d'alcool et une hygiène de vie douteuse, Thierry tombe malade. Bizarre. Étonnamment, cette première version, on l'entend plus maintenant. J'avais une tuberculose, j'avais une hépatite, j'avais une pancréatite aiguë et en immunodéficience, 30 kilos pour 1m75, j'étais en train de mourir. Et tout en esquivant à présent ses anciens problèmes de drogue, il adore raconter cette histoire. Vraiment, il adore la raconter. Il adore la raconter. Il le fait à chaque fois. Pas vous faire le numéro mélodramatique là maintenant. 5 août 2007, j'étais mourant. Je faisais 30 kilos. Mais ça, c'est un classique des gourous. Je vous expliquais pourquoi il a transcendé le mal et qu'est-ce qu'il a compris dans son voyage initiatique. Voilà. Pancréatite aiguë. Une pancréatite aiguë. J'avais une hépatite C. Une hépatite C. Immunodéprimé. Il connaît bien son texte. Et le truc important à retenir ici, il a probablement du monde qu'il a amené sur le chemin de sa gourouitude. Renforcée et récente, sur la santé mais Casasnovas, je suis pas mal persuadé que c'est un gars qui sort de nulle part, en fait. Sauf que ça n'a mais aucun sens. Il s'est juste tiré, il s'est trouvé un créneau, puis il a fait de la sauce à partir de ça. Puis en faisant de plus en plus de sauce, il est devenu de plus en plus faussier et de plus en plus faussé. C'est un survivant, c'est un homme. Puis la sauce a fait de la sauce, qui fait de la sauce, et puis il est devenu meilleur à faire de la sauce. Thierry, c'est un Jésus moderne. Officiel. Avec sa nouvelle histoire bien rodée et bien inspirante, Thierry se présente comme une sorte de nouveau Jésus moderne. Et c'est vraiment l'image qui veut se créer. Le melon chez Thierry, c'est vraiment pas que pour les Juifs. Quand Thierry avait 33 ans, il n'a pas survécu à sa maladie, il n'a pas vaincu la maladie. Non, comme Jésus, il a été résurrecté. Je sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas... Ma résurrection. C'était... Oui, je vois un signe de Dieu dans ma résurrection. Donc oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. C'est lui qui le dit. Thierry, également, reçoit des messages de Dieu. J'ai encore récemment été prévenu par Dieu d'un accident qui allait se passer de façon imminente. Et grâce au message de Dieu. Parce que j'ai été prévenu juste avant, mais l'accident a pu être évité. Oh putain, ben oui. Grâce à un message de Dieu, a pu éviter un accident. C'est où ? L'accident a eu lieu, mais le côté dramatique de l'accident n'a pas eu lieu. D'accord, donc finalement, en fait, l'accident a bien eu lieu. À quoi il sert le message de Dieu dans ce cas-là ? Il y a peut-être un peu de délai sur la ligne, je sais pas. D'ailleurs, je voulais profiter de ce moment de spiritualité pour vous rappeler que j'espère que Thierry ne prendra pas mal ma vidéo. Enfin, c'est pas mon but. Je m'oppose à lui, certes, mais j'aimerais rappeler que d'après Thierry lui-même, tous les obstacles qu'on a à franchir sont posés par Dieu. Que la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne. Quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, c'est parce qu'il l'a permis, parce qu'il l'a laissé faire. Et donc, s'il l'a laissé faire, c'est pas pour qu'on ait mal, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Et surtout, lui, je pense que je suis pas sûr que ce soit un fondamentaliste à proprement parler, mais il se nourrit d'une sauce un peu religieuse et qui a pris pour moi. Et le plus important, c'est que Thierry nous a réussi à mettre au moment où se croise le catholicisme ou la chrétienté classique, et puis. L'espèce de New Age. Ok, aujourd'hui encore, utilisez-moi. Alors non seulement il demande à Dieu d'utiliser son corps, c'est...
C'est très bizarre, dit comme ça. Mais c'est plus moi qui parle. Et d'ailleurs, avant toute vidéo question-réponse, je lui dis « Utilise ma bouche. » Ok, c'est pas bien du tout. « Utilise ma bouche. » Putain. « Parle par ma bouche. » Et Thierry nous explique ensuite que pendant cette vidéo, deux vaccins réponse, pour tuer quand il répond à des questions que les gens lui posent par rapport à leur santé, il laisse... Mais en tout cas, à partir du deuxième, ça se détache de ton cœur, ton âme, donc... Aucun souvenir. Et les questions-réponses, je les écoute jamais. Enfin, je les écoute jamais. Si, je les écoute un petit peu, mais je suis toujours très très surpris de ce qui est dit dedans. Je me dis, waouh, ah, c'est bon ça, c'est bon. C'est effrayant. Il dit dans la vidéo qu'il ne réfléchit pas quand il répond à des gens qui ont des questions sur leur santé. Après, on peut conclure sur le fait que s'il faut blâmer quelqu'un dans cette situation-là, faut blâmer Dieu. J'aimerais qu'on en finisse tous avec le mythe qu'essaye de monter Thierry Casasnovas. Alors pour y mettre à terme, on va révéler le plus gros mensonge de toute sa chaîne. On va parler de sa résurrection. Oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. Au plus bas de sa maladie, Thierry a eu une révélation. J'étais au bord de la mort, quoi, vraiment au bord de la mort. Et j'ai fait un rêve. C'est un peu mysticos, mais ouais, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai rêvé de quelqu'un que je ne connaissais pas. Je savais que la personne que j'avais vue dans mon rêve s'appelait Guy-Claude Burger. Il a vu dans un rêve Guy Claude Berger, un gourou pédophile qui a fait de la prison et qui a inventé l'instinctothérapie. Voilà, oui, de base, c'est chaud de rêver et d'avoir une vision de quelqu'un dont tu ne connais même pas l'existence. Pour Guy Claude Berger, ses relations sexuelles constituaient des expériences magiques pour les enfants. Thierry s'est dit, cool, j'aime bien. Enfin, l'instinctothérapie, pas le reste, enfin, j'espère. Et c'est à partir de ce moment-là, après ce rêve, après cette vision, que Thierry a décidé de changer de mode de vie. Et d'après lui, c'est ça qui l'a sauvé. J'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus. C'est-à-dire des fruits, des légumes, des produits non transformés. Des aliments non transformés. À manger 100% cru. De fruits et de légumes, exclusivement. En mangeant cru, les bons aliments, ça allait redémarrer. Et voilà donc pourquoi il recommande de manger des légumes crus non transformés. Parce qu'on peut rappeler aussi que grâce à l'industrie agroalimentaire, certes, donc pour on a augmenté certaines maladies cardiovasculaires, maladies, à cause des aliments transformés de mauvaise qualité. Mais l'industrie agroalimentaire a aussi diminué de façon gigantesque, au point où ça devient juste anecdotique, les morts à cause d'une nourriture qui est impropre à la consommation, comme le botulisme ou des choses comme ça. Ce qui est quand même un avantage. Il décide alors de manger cru pour se soigner. J'ai commencé à manger cru en 2007 uniquement. Une année très chargée en 2007. Sauf que dans une vidéo en 2011, il nous dit que ça fait 12 ans qu'il mange cru. Et j'ai vécu pas mal d'expériences en crudivorisme depuis les 12 ans que je pratique, que je suis crudivore, strictement crudivore. Et si on remonte le temps avec la Wayback Machine et qu'on va voir son blog de l'époque. Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Pareil, on nous dit qu'il a commencé à manger cru en 1999. Donc il aurait commencé en 99, pas en 2007. Donc Thierry ment. Donc il était déjà crudivore avant de tomber malade. En fait, en réalité, on ne sait pas. Parce qu'il ment. En 2003-2004, il m'est arrivé de me présenter comme pratiquant beaucoup l'alimentation vivante. Ce qui était un mensonge à l'époque. Un mensonge fondamental. Du coup, ce qu'il disait avant, c'était pas vrai. Donc, mais alors, en 2006, donc 2 ans après ses mensonges et 1 an avant d'être malade, ouais. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé une lettre à un journal bio expliquant qu'il était depuis longtemps sur un régime végétalien et qu'il mangeait cru et que ça faisait quelques mois qu'il essayait l'hygiénisme? Oh, tabarnak. Ok, il y avait une lettre. Il a commencé à manger cru. Parce qu'il dit que c'était en 99. Des fois, il dit que c'était avant. Des fois, il dit que c'était après. Maintenant, il dit que c'était en 2007, mais en 2006... Oh oui, lui, il résume bien l'affaire. C'est que des affaires qu'on va voir plus en détail. C'est que Thierry ment. Alors, puisque Thierry ment, s'il vous plaît, vraiment, ne suivez pas ses conseils. Effectivement. Thierry Casasnovas est incompétent en matière de santé. C'est pas une attaque. C'est juste factuel. Même Thierry vous le dit. Quand on va sur sa chaîne, il y a un disclaimer. Heureusement que c'est Dieu qui parle à travers Thierry. Ça change tout. Sur son site, on a également une pop-up qui nous dit de ne pas faire ce qu'on vous dit de faire sur le site. Par transparence, je veux aussi vous indiquer qu'il l'indique occasionnellement en vidéo. On n'est pas là pour diagnostiquer des maladies, on n'est pas là pour jouer au médecin, pour dire à telle situation, tu dois faire ceci ou cela. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas des pratiques illégales de la médecine puisque je ne m'intéresse pas à la maladie. Sauf qu'au final, malgré tous ces disclaimers, il continue à dispenser ses conseils de santé. Et c'est mais tellement arrogant. L'important pour moi, c'est d'arriver à relier ce voyant à une situation. Et notez bien que d'après lui, si vous ne changez pas votre mode de vie pour le sien, vous allez mourir. Je te retrouve face à un dilemme. Est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu ne veux pas changer? Tu as parfaitement le droit de ne pas changer, mais tu vas mourir. Mais putain, comment tu fais face à quelqu'un qui te dit « Ne fais pas ce que je te dis, mais si tu fais pas, tu vas mourir ». N'oubliez pas que ce mec est extrêmement suivi. Probablement pas par beaucoup de jeunes, mais beaucoup de gens voient ses paroles et partagent ses vidéos. Oh, vraiment? Que les gens partagent ses vidéos parce que Thierry leur dit que la vie de leurs proches en dépend. Merci de partager cette vidéo largement, largement, parce que c'est la santé, l'avenir et la vie de vos proches qui en dépendent. Ouais, d'ailleurs, partagez largement, largement ma vidéo. Parce que si tu le fais pas et que ta mère meurt, hein, c'est ta faute. Hein. Bon, alors ça, c'est complètement gratuit, mais juste pour vous rappeler son niveau. Quand...
Alors qu'en fait, le problème, c'est peut-être, par exemple, la Wi-Fi du voisin qui te bombarde et qui fait que ton système nerveux ne fonctionne pas de manière adéquate. Voilà, le Wi-Fi, ça nique ton système nerveux. Parce que la Wi-Fi est en train de nous tuer. On a arrêté de compter les gens qui mouraient à cause du Wi-Fi, il y en avait beaucoup trop. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que je suis pas juriste et je veux pas prétendre, mais ce que fait Thierry Casasnovas sur sa chaîne, ça ressemble à un exercice illégal de la médecine. Le tueur silencieux du moment. Cette personne qui est libre fait malgré tout de l'exercice illégal de la médecine. En très très gros, l'exercice illégal de la médecine, c'est quand tu agis en tant que médecin, mais que tu n'es pas médecin. Et on va commencer à remettre les bases. Thierry n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin. Et il estime également qu'il est totalement responsable des actions qui découlent de ses vidéos. Je suis 100% responsable de l'utilisation, de la mauvaise utilisation de mes vidéos. Alors tenons-le responsable. Et même s'il prétend que c'est Dieu qui parle à travers lui, on va tenir Thierry, sous sa forme physique, comme responsable. Sur sa chaîne, Thierry parle de problèmes de santé importants comme le cancer, et il ouvre sa vidéo comme ça. Cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux qui, pour qui on a posé un diagnostic de cancer. Dédicace à tous les gens qui ont un cancer, si tu laisses un like, tu gardes tes cheveux. Et ce que tout patient qui est atteint de cancer devrait savoir, c'est que la chimiothérapie ne marche pas. Voilà, dans le tas, c'est pas très fin. D'après lui, la chimio ne soigne pas. Traitements qui sont totalement inefficaces et qui vont les conduire à la mort si leur système immunitaire n'est pas à la hauteur. Les chimiothérapies n'apportent rien, totalement inefficaces, qui est d'une efficacité extrêmement douteuse, ça marche pas et les chiffres sont là. Voilà. Titi le dit clairement et fièrement. Les chiffres sont là, tu sais. Et pour tenir ce genre de propos, le 8, le 7, la contribution générale des chimiothérapies pour la série à 7 ans chez les adultes est estimée à 2,3% en Australie, 2,1% aux USA. J'arrive pas à déchiffrer. Les chiffres sont pas mal alarmants, mais on peut aller vérifier l'étude. Il a sûrement mis un lien en description. Ah non, Thierry a remplacé toutes les descriptions avec ses sources par une pub pour son nouveau site payant. Heureusement qu'il est pas là pour se faire de l'argent. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, j'ai quand même réussi à faire une étude. C'est bien beau de se baser sur une étude, mais encore, faudrait-il savoir la lire. L'étude conclut bien ce que dit Thierry. Enfin, à peu près. Mais si on la lit dans le détail, déjà l'étude prend compte des cas de cancer qui datent d'entre 20 et 40 ans. Et en cancérologie, ça c'est très vieux. C'est plus du tout actuel. Ça ne tient pas compte des traitements d'aujourd'hui qui sont plus efficaces. Ensuite, la liste est composée de 22 cancers. Mais pourquoi juste 22? Et pourquoi cela? Par exemple, ils n'ont pas cité la leucémie. Parce que 22, c'est important. Qui est une rémission de plus de 90% après 22, chimio. D'ailleurs, cette étude ne compte la survie que sur 5 ans. C'est-à-dire que si vous faites une chimio après un cancer et qu'elle prolonge de 4 ans ton espérance de vie, dans l'étude, on considère que ça ne marche pas. Donc toutes les chimio palliatives ne rentrent pas dans cette étude. Et enfin, l'étude englobe tous les cas de cancer, même quand on n'utilise pas la chimio. C'est-à-dire que pour le cancer du côlon, on compte 7243 cas et 128 personnes complètement soignées par la chimio. Sauf que ces 7000 personnes n'ont pas forcément été traitées à la chimio. On compare tous les cas de cancer, quel que soit le traitement, à la rémission spécifiquement de la chimiothérapie. Ça n'a pas de sens de comparer ces deux chiffres dans ce contexte-là. Bref, cette étude ne démontre pas que la chimio ne marche pas. Je sais même pas ce qu'elle essaye de démontrer avec autant de problèmes. Bah, c'est ce que fait tout le monde, y compris prendre des chiffres. Qui les arrange et qui les compare sans avoir d'analyse statistique, mathématique, rigoureuse. Et mourir prématurément. Les comparer des pourcentages ou des chiffres. Pour donner les mauvaises informations brut, ça n'a pas de sens. Mais heureusement, citoyenne. Comment soigner le cancer, lui. D'après Titi, voilà comment soigner un cancer. Je te parle de moyens qui sont réellement efficaces. Le jeûne est certainement le meilleur moyen de ne plus rendre la tumeur nécessaire. Alors, jeûne, repos, bien sûr. Et puis, on va bombarder en micronutriments. Les bains froids, les bains chauds. Le sauna, par exemple, la respiration, des techniques respiratoires, l'exposition au soleil, les bains de soleil. Voilà clairement ce qui peut se passer si vous essayez de soigner votre cancer avec des exercices de respiration et des bains de soleil. Pour ma vidéo, j'ai dû raccourcir un petit peu les extraits pour les rendre digestes, mais le principal est là, c'est basé sur du vent. Et il propose de faire un jeûne pour lutter contre le cancer. Tumeur énorme au niveau du côlon, 3 semaines de jeûne. 3 semaines de jeûne, plus aucune trace de la tumeur. L'avantage en vrai avec Thierry, c'est que tu ne meurs pas de ton cancer. Tu meurs de malnutrition. Le jeûne contre le cancer, c'est un truc qui est étudié et c'est un truc qui est encore à l'étude parce que ça peut te tuer. J'ai mis mes sources en description parce que c'est un sujet qui est très intéressant mais que je suis pas assez qualifié pour traiter. C'est un sujet qui est compliqué et faire un jeûne contre le cancer, ça doit être médicalement suivi de très près. Et c'est certainement pas ce que propose Thierry. Au final, cette affaire, ça nous fait un point commun avec Titi. C'est qu'on lutte tous les deux contre le cancer, mais pas sous la même forme et pas avec la même efficacité non plus. Pour rester dans le sujet fun, le diabète. Les deux plus grosses questions que se pose la science sur le diabète sont est-ce que brûler un diabétique fait du caramel et comment soigner le diabète de type 1. Et Thierry, lui, il sait comment soigner le diabète de type 1. Et sans une vidéo qui s'appelle « Comprendre et soigner le diabète naturellement », qu'il nous en informe. Alors, la question que j'ai envie de vous poser dès le départ, c'est une maladie chronique, c'est donc une maladie qui n'évolue pas. Imagine...
Donc maladie évolutive. Yes, on commence bien, il ne maîtrise absolument pas le sujet. Et évidemment, s'il vous plaît, comme d'habitude, partagez la vidéo à tous les diabétiques. On veut faire un maximum de dégâts. Bon, j'espère que cette vidéo, vous allez pouvoir la partager à toutes les personnes qui sont diabétiques. Parce que ce qu'on leur propose ne marche pas, c'est une aberration sur le plan physiologique. Les médications ne résolvent rien et elles empirent même la situation globalement. C'est tellement son speech, c'est tellement son... Voilà, il est contre l'insuline parce que ça tue les gens. Mais heureusement que Thierry propose une solution parce que... Ça a donné de l'insuline à des gens qui n'ont pas d'insuline. Le diabète de type 2. Ouais, exactement. Ça empire le fait de ne pas avoir d'insuline. Qui présente un diabète de type 2. Adopté pour 3 semaines. 3 semaines simplement. Un régime alimentaire qui serait fait exclusivement de légumes et de fruits. Des légumes crus, cuits, je ne dis pas ça, des fruits en quantité. 3 semaines. Dans 3 semaines, vous n'êtes plus diabétique. Dans 3 semaines, vous n'avez plus aucun problème. Une fois ça, c'est du dialogue de Camelot. Vous n'êtes plus. Il nous fait comme Amélie Paul ou comme Tristan Barbaria quand il était à Calvi. Le truc, c'est qu'il y a des recherches là-dessus. Il essaye de nous vendre sa merde. Les recherches apportent des régimes qui sont stricts. Pas sur 3 semaines, mais sur plus d'un an. Et surtout, le point le plus important, c'est que les régimes étudiés ne guérissent pas du diabète. Ça permet de gérer sa glycémie sans médication. Mais si jamais vous trouvez que c'est pas assez dangereux de dire aux gens que leur traitement les tue et de se soigner avec des bananes, Thierry propose de soigner le diabète de type 1. Et juste pour le rappeler ici, une personne qui est diabétique de type 1, c'est une personne qui ne produit pas d'insuline et qui a besoin de s'en injecter. Sans quoi elle ne peut pas vivre. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement pour guérir ça. Voilà ce que propose Thierry. Pour le diabète de type 1, c'est la même problématique. Il vous faut vous régénérer. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un. Le jeûne est la voie à suivre. Parce que le jeûne, c'est le recours à la capacité innée du corps, la capacité merveilleuse à se régénérer. Que ce soit pour le diabète de type 2, que ce soit pour le diabète de type 1. Sauf que si un diabétique de type 1 suit son conseil... Et sur certains commentaires, il confirme cette prise de position. C'est totalement réversible et en quelques jours, preuve à l'appui. C'est pas parce que t'as reçu des quenelles d'or, Thierry, que ça fait de toi un médecin. On rappelle que ce mec donne des conseils de santé. Il y a une grande proximité effectivement avec l'extrême droite, notamment Dieudonné. Dans la panade au niveau santé. Thierry, donc, sans aucune formation, sans aucune qualification, sans aucune légitimité, a la prétention de savoir guérir le diabète, le cancer et quoi d'autre. Avec Clovis, c'est clairement une des bases sur lesquelles se fonde. En rétablissant les paramètres normaux, en rétablissant les besoins vitaux de l'individu, globalement, toutes les maladies, tout peut être réglé. On vient de le voir. Thierry prétend savoir soigner tout diabète et cancer. Mais que peut-il soigner de l'exercice illégal de la médecine. Mais réellement, ça fonctionne. Je l'ai vu, j'ai vu des touffes de cheveux noirs poussées chez des personnes qui avaient perdu énormément de leurs cheveux, mais ça a pris son temps. Voilà, ça économisera certains des voyages en Turquie, il y a juste à boire le jus de Thierry. Thierry sait comment faire repousser les cheveux. Tu fais des crises soi-disant de boulimie avec les fruits. Voilà, donc de base ici, j'ai l'impression qu'on ne croit pas trop à la boulimie. Donc les boulimies de fruits, moi je me dis, c'est qu'un temps, c'est pas grave, j'en ai mangé énormément à une époque. Bon, et puis Thierry aussi, il a mangé beaucoup de fruits à une époque, donc il comprend un peu, ça va quoi. Sauf que la boulimie, c'est une perte de contrôle, et la personne qui contacte Thierry ici semble réellement épuisée. Pour lui, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave. Alors pour toutes les personnes qui sont là et qui s'inventent des problèmes, Titi a une solution pour vous. Pour toutes les personnes qui ont des troubles boulimiques, quels qu'ils soient, je dirais une seule chose, allez vers ce qui vous semble bien, sans aucune culpabilité, et nettoyez-vous les intestins. Lavement, irrigation colonique, lavement, irrigation colonique, avec de la chlorophylle si possible, lavement, irrigation colonique. Lavement, parce qu'il est bien avec son jus, c'est que tu peux le boire d'un côté et puis te le mettre de l'autre. On balance, nettoie les intestins et tu vas voir, je pense que tout va changer. Ils aiment vraiment beaucoup ces intestins. Soit vide et fais-toi des lavements intestinaux à répétition jusqu'à ce que ça aille mieux. Thierry a soigné la boulimie. Dans une de tes vidéos, tu as parlé d'une troisième dentition. Est-ce que les dents peuvent se régénérer même à 50 ans? Oui, j'espère bien. Bah oui, on espère bien une troisième dentition. C'est un truc qui existe complètement. Oui, j'espère bien. C'est-à-dire si on peut effectivement espérer une troisième dentition, comment ça se porte un dentier, Thierry? J'avais mes dents dans un état extrêmement mauvais. J'avais des dents qui étaient extrêmement cariées. J'ai voulu partir en Hongrie à Budapest pour me refaire faire entièrement les dents. Les gens me posent des questions dentaires, j'ai dit je suis un peu mal placé parce que j'ai plus une seule dent à moi vu que tout a été arraché. Thierry sait faire repousser les dents. Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok? Ok, le mec a perdu un bras. Je pense qu'on a atteint la limite. Ça, on le sait très bien, à l'heure actuelle, on peut pas faire repousser un bras. C'est hors de portée. Il a perdu un bras, il a mangé son bras. Ça lui a fait repousser ses dents. Des membres. Il oserait pas taper dans les dents des gens et retrouver leurs membres. Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Oh. Ok, donc on se sert maintenant du désespoir des gens qui ont perdu un membre. On touche le fond. Sur le plan surnaturel, oui, ça existe, des repousses de bras. Sur le plan naturel, non. Donc ça existe, ça, mais c'est le premier critère d'un charlatan, c'est quelqu'un qui fait des promesses qu'il n'y a aucune manière de les respecter. Et pourtant, c'est mon premier critère. Je comprends, c'est un montage, mais la quantité de red flags, c'est... Je sais pas, Ah, vraiment.
J'ai juste pas les mots. Ça de la voix, en fait, le... Donc, c'est plein de vidéos patchées qui sont pas dans l'ordre chronologique. Pour qu'il nous fasse une démonstration. On et voit justement au fil du temps vraiment son évolution. Puis je le montrerai plus tard dans le show. Il commence vraiment maigrichon, malade. Et puis là, il est clairement en bonne santé. Les fruits et les jus de fruits vont être absolument nécessaires pour cela. Mais pour que ça marche, il faut quand même acheter un extracteur de jus et boire des jus. Mais c'est sur le plan spirituel que j'irai un peu plus creuser. Il y a des cercles de guérison, de prière et de guérison. Et il y a du résultat, il y a du fruit. Vous pouvez essayer de contacter des cercles de guérison qui prient au nom du seul qui guérit, Christ qui guérit, et voir ce qui va advenir. Effectivement, la guérison est possible. Les jus sont une adjonction parfaite. Est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Par contre, sans, ça ne marchera pas. Donc si tu veux que ça marche, c'est avec. C'est lunaire. Il faudrait apparemment boire son jus et faire des prières pour faire repousser son jus. Est-ce qu'il y a une limite à la régénération? Je dis, je ne sais pas. Effectivement, il ne connaît pas la limite à la régénération. Et il a honnêtement pas l'air de connaître grand-chose. Alors pour conclure cette partie, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Tu crois, Thierry? Arrête. Thierry, c'est quelqu'un de croyant qui base ses méthodes sur la Bible. Je vais vous citer un petit peu, moi, ce qui est ma norme. Et son incompétence. Je ne suis pas médecin. Pour lui, le corps humain est parfait et a la capacité de tout réparer. Et on a été créé à l'image de Dieu. Si je me réfère à ces textes, on me dit que l'humain a été créé parfait. Votre corps, eh bien, il est en permanence parfait dans son fonctionnement. C'est ça, au pied de la lettre. On a été créé à l'image de Dieu. Mais évidemment, grosse dièse, le corps n'est pas une machine parfaite. Parce qu'à quel moment une machine parfaite peut passer? Tu viendras faire la même hebdomac demain après-midi, le Big Fat Feeling. Et sur la base qu'il est légitime pour parler parce qu'il n'est pas mort. Je crois que j'ai une petite légitimité. Ah oui, les manigances officielles. Je reviens véritablement de l'enfer. Ensuite, viser les vulnérables, c'est un menteur. En 2003, il montait sur son expérience et sur ses connaissances. C'est une bonne idée, les petites choses. En 2004, il m'est arrivé de me présenter comme pratiquant beaucoup l'alimentation vivante, ce qui était un mensonge à l'époque. En 2011, il mentait sur son régime alimentaire. Je commençais à manger cru en 2007 uniquement. Depuis les 12 ans que je pratique, que je suis crudivore, strictement crudivore. Et en 2015, il mentait encore sur le régime alimentaire qu'il avait sauvé. Il prétendait n'avoir mangé que des fruits et des légumes exclusivement. Je me suis nourri de fruits et de légumes exclusivement. Alors qu'à côté de ça, il a mangé énormément de viande. Et pendant quasiment 2 mois, on va dire, j'ai surtout mangé de la viande et des fruits. C'est véridique, il a menti pendant au moins 15 ans et je pense qu'aujourd'hui, il ment encore. Ça lui rapporte énormément d'argent, il a aucune raison d'arrêter. Si on regarde les commentaires sous ses vidéos, les gens sont en admiration pour ses méthodes. Combien de temps avant qu'une de ces personnes, peut-être diabétique de type 1, arrête l'insuline? Combien de temps avant que quelqu'un essaye de faire une cure de soleil avant de traiter un cancer qui doit être traité au plus tôt? Et combien de morts faudra-t-il pour alerter et changer la situation? Les gens qui meurent pour ce genre de raisons, et il y en a, c'est très peu documenté parce qu'ils meurent dans leur coin et qu'il s'agit d'un choix personnel. Sauf que c'est un choix qui n'est pas informé. Thierry leur ment et il le sait. Les solutions proposées sont simplistes par rapport au problème. Thierry n'est ni, comme il le prétend, un messager de Dieu, ni un vulgarisateur de la santé. Thierry n'est personne. Il faut que ça cesse. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, et surtout que vous aurez compris la gravité, en fait, des faits qu'on évoque par rapport à Titi. C'est un peu bizarre, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos parents ou sur Facebook, parce que c'est là que se trouvent la plupart des gens qui suivent Thierry. Si le sujet qu'on a abordé aujourd'hui vous intéresse, j'ai mis en description la chaîne de l'Extracteur, qui ont fait un travail remarquable sur Thierry Xasnovas. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment très qualitatif. Et sur ce, je vous laisse, à plus, Dieu m'appelle. Solide, ça, man. Donc ça c'est le business de Thierry Casasnovas qui donc ça c'est j'ai plus la date sur moi mais c'est assez récent, c'est Thierry Casasnovas qui a invité à un TED Talk pour faire un TED Talk. Wesh. Il invite n'importe qui. Mais ça a pas toujours été des réussites les événements de TED. Je suis content d'être avec vous. Et je suis d'autant plus content que... Martin Godet vient d'entrer dans la place. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Je sais que ça Martin... vient démarrer avec une petite histoire personnelle. Ça permet de toucher émotionnellement. Mais en plus, pour moi, c'est vrai. Il y a 12 ans de ça, j'étais mourant. Alors, quand je vous dis mourant, on a du mal à se figurer. J'avais 33 ans. C'est le TED Talk de... J'étais en train de cracher du sang tout le temps. J'avais une pancréatite aiguë. Elle explique comment il s'est grouillé. Une pancréatite aiguë. J'avais une hépatite C. J'étais cachectique. C'est-à-dire que pour 1m75, je faisais 30 kilos. Là, tu vois, je suis pas obèse ni bodybuilder, j'en fais 60. Donc, tu prends la même taille, mais tu divises en deux. J'étais dans un fauteuil roulant, immunodéprimé. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et j'ai eu un parcours médical long, très long. Bien sûr, hein, quand on se sent mourir, globalement, on cherche des solutions à tout prix.
parcours médical classique, hein, les hôpitaux du sud de la France, je les connais à peu près tous par cœur. Puis dans la naturopathie et tout, j'ai cherché tout azimut, un petit peu partout. Et puis j'en suis arrivé à un point où j'étais vraiment à un point de non-retour. Il y a un médecin qui m'a vu, qui m'a dit là, dans 5 jours, vous êtes mort. C'est foutu. Et moi, je ne comprenais pas. J'avais 33 ans. Normalement, à 33 ans, c'est le moment de ta vie où tu as le maximum de puissance. C'est le moment où tu commences à te réaliser, tu commences à fonder une famille, et ainsi de suite. Et moi, j'étais dans un fauteuil roulant, en train de me faire pipi caca dessus, en train de cracher du sang. Et il y avait un sentiment mais d'impuissance et d'incompréhension qui était monstrueux en moi. Et pourquoi moi? Sérieusement, et en plus, quand je parlais à mes parents, ils me racontaient mon histoire. Ils me disaient, jusqu'à 18 ans, 19 ans, tu étais un gamin joyeux, tranquille. J'étais plutôt le clown de la famille, hein, facile, aucun problème. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber comme ça? Et ça nous parle beaucoup de notre représentation, la plupart du temps, de ce qu'on appelle la maladie. Vous savez, nous, ouais, hein, Pierre, on c'est ça, vraiment on and off. Hein. Et puis là, d'un seul coup, oui, c'est clairement quelqu'un qui a un virus, une bactérie problème qui nous avance. Et puis là, il tombe dessus. Ah non, monsieur, laissez-moi tranquille. Et hop, on a trouvé une maladie. Et j'étais vraiment dans cette représentation. Ça marchait. Mais pourquoi c'est tombé sur moi? Et croire le début, même croire à son mensonge, parce que c'est comme une nouvelle révélation, une fois qu'il a révélé son mensonge. Je partais dans des longs questionnements pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Ah oui, c'est un legit charlatan. Et puis un matin, il s'est passé un truc. Il y a même trop de peut-être qui y croient. Je pense que c'est ces moments où on est vraiment au plus faible. On a des espèces d'intuitions qui montent à l'intérieur. Ça, c'est la big, c'est la révélation. J'ai lu très souvent des histoires de personnes qui nous disaient qu'à des moments où ils étaient très proches de la mort, c'est comme s'il y avait une partie de notre conscience qui lâchait et on est beaucoup plus en prise avec quelque chose d'intérieur. Et là, il s'est passé quelque chose à ce petit matin, une espèce de révélation. Alors, quand je vais vous le dire, ça va paraître très très plat. Je suis désolé, chaque fois j'ai honte quand je le dis comme ça, mais moi, ça m'a changé la vie. Et je pense que ça peut changer vraiment la vôtre aussi. En fait, ce qui est monté, c'est de me dire, Thierry, si t'en es là où tu en es, là, maintenant, là, aujourd'hui, dans l'état où tu es, en train de te faire pipi caca dessus dans un fauteuil roulant, en train de cracher du sang et en train de crever, c'est simplement parce que t'as fait des choix de vie et que ces choix de vie n'étaient pas les bons. Ben, c'est quand même une bonne raison. Bon, des choix de vie, ça t'amène pas mal n'importe où. Là, c'est... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et alors, je vous la fais rapide, à la fin de l'histoire, c'est que je ne suis pas mort. Mais là, ce qu'il utilise ça, beaucoup, c'est l'effet Barnum, en fait. D'aller au bout de l'histoire. Ouais. On a tous, à un moment, fait des choix de vie qui sont pourris. Et c'est passé quelque chose d'étrange, parce que bon, ça m'est tombé dessus. Et je vais vous dire, ça m'est tombé dessus vraiment comme on a raté une occasion de trouver une job. N'importe quoi. On rencontre des gens qui ont du charisme, qui parlent, et puis on va à une de leurs conférences, et puis la personne parle bien, il parle fort, avec des arguments, avec des expériences et tout. Puis là, on repart de la conférence, et il était fabuleux. Tu rentres chez toi, tu as ton épouse ou ton mari qui t'attend, et tu dis, c'était bien la conférence? Ouais, c'était super, super. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était super, c'était génial, il y avait un feu et tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On a adhéré à un discours. Moi, ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce n'est pas une adhésion, c'est une conviction. La conviction, vous savez, c'est quelque chose qui part de l'intérieur, littéralement, et qui vous transforme, hein, et qui vous ravage intérieurement. Alors, fort de cette conviction, ben, je me suis dit, bon, alors, c'est mes choix qui ont fait que je suis dans l'état où j'en suis. Bon, il va falloir quand même que je fasse le point sur mes choix. Ah, Pierre, il a clairement pris un cours de marketing de la sauce. Hein, il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup, qui dit, la folie, c'est finalement de faire toujours les mêmes choses et d'en attendre un résultat différent. Alors, j'ai dit, il va falloir que je parte dans une enquête. Je suis parti dans une enquête. Et effectivement, j'ai changé des paramètres dans ma vie. Et le changement de ces paramètres, qui a priori étaient des paramètres relativement anodins, tu t'en prenais un. Alors je vais vous parler de paramètres au niveau de l'alimentation, du rythme de vie, de la relation aux autres. Hein. On le sait tous qu'il faut relativement bien manger, qu'il faut courir dehors pour s'oxygéner un petit peu, qu'il faut dormir assez. On le sait tous. Einstein est né en 94. C'est pas ça qui va faire que tu passes de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Ben si. La somme de toutes ces petites choses, en tout cas pour moi, et au travers de l'expérience que j'ai développée après, m'ont montré que c'était la somme de ces petits choix qui faisait qu'un individu à 33 ans pouvait être mourant et qu'il pouvait être vivant à 45 ans. J'ai 45 ans. Alors, je me suis lancé dans une véritable petite enquête. Et là, j'ai été ébloui par quelque chose. Je me suis rendu compte que toute ma vie, je l'avais menée un petit peu au hasard. Comme je vous dis, ma mère m'avait toujours dit « il faut que tu manges des fruits et des légumes ». Oui, d'accord, il faut que tu dormes assez, hein. Il faut que tu fasses de l'exercice.
Je l'avais entendu. Mais ça me paraissait des options. Ça me paraissait des choses, bon, on le faisait pas, c'était pas si grave que ça. Au pire, si tu bougeais pas trop, t'étais un peu grassouillé, mais c'était pas grave. Si tu mangeais mal, bon, au pire, t'avais quelques petits boutons, on m'avait dit, ouais, il y avait un lien entre les deux, mais c'était pas si grave que ça. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que la vie obéit à des principes. Il y a des grands principes. Et ces principes, ils ont même un nom, on les appelle des principes vitaux. Ah, ça, c'est rigolo, parce que s'ils sont vitaux, ça veut dire que ne pas les respecter, ben, c'est pas la vitaux, c'est pas la vitalité. Ouais. La crème glacée. Ces grands principes, je ne les connaissais pas. J'ai joué ma vie au hasard, d'une certaine manière. Et bah, c'était tantôt pile, tantôt face. Et c'est souvent le sentiment qu'on a quand on parle de santé. Et quand je vais parler de santé, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le temps de tout développer, mais quand je parle de santé, je parle de santé de l'individu. Ah. Et pour moi, un individu, le nom nous dit exactement ce qu'il devrait nous dire. Okay. Individu, ça veut dire indivisible. Quand on parle de santé, ce n'est pas la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé des émotions. C'est une globalité. Et d'ailleurs, nombre d'entre nous, on pourra témoigner que quand notre santé physique se dégrade, il y a souvent aussi notre santé mentale qui se dégrade. Les deux vont toujours de pair. Gros cancer. Eh bien, je me suis rendu compte que ces principes vitaux, quand je suis en shape, je vois mieux. Si on ne les connaissait pas, on jouait la vie à pile ou face. C'est-à-dire que tantôt on faisait des choix, tantôt on en faisait d'autres, et puis on parle toujours de choix éclairés. Mais en fait, si tu veux savoir si le carnet éclairé. Était bon, Cosmo, tu iras voir le compte rendu sur la chaîne. On peut choisir de jouer également. Il est diffusé en POV. Pour moi, c'est la meilleure définition de la liberté. La liberté, c'est connaître les grands principes qui nous déterminent et choisir délibérément de les respecter. La vie, c'est les principes. Et n'importe quel biologiste, n'importe quel spécialiste des sciences naturelles vous le dira. La vie, c'est des principes. La vie, c'est pas un hasard. L'absence de principe, c'est le chaos. Alors, si vous voulez bien, parce que ça va vous intéresser, j'imagine, je vais essayer de vous parler de quelques-uns de ces principes. Parce que ces principes, ils sont absolument incroyables. Et surtout, ils nous montrent à quel point on ne connaît pas qui nous sommes. C'est-à-dire que, moi là, je me balade, je vous dis, bon, j'ai failli mourir, donc maintenant je suis vivant. Mais ça veut dire quoi pour vous être vivant? C'est quoi pour vous être vivant? Est-ce que vous avez conscience de ce que ça peut représenter? Souvent, quand je fais des formations... Je projette un il est film. Nu-pillé. Là, j'ai décidé de vous faire une deuxième version. Oui, je vais il est en sandales, je pense. Moi-même. Je projette un film, et c'est un film qui m'a interpellé, parce que c'est l'histoire d'une voiture hantée. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut aller avec sa voiture? Oh, il a passé les bagnoles de Disney. John Carpenter, dans les années 80, un réalisateur de films un petit peu, pas d'épouvante, mais limite. Donc, c'est l'histoire d'une voiture hantée, et cette voiture hantée, elle a été récupérée par un jeune, qui s'appelle Arnie, et il est fasciné par cette voiture. Et puis il y a une scène du film où la voiture, elle est complètement cabossée, elle est défoncée, et Arnie, ça fait des jours et des jours qu'il essaye de la réparer, avec ses propres compétences, avec sa connaissance, mais qu'il a qu'une ère de la mécanique, c'est pas un mécanicien. Et là, on est dans l'atelier de Arnie, et là, il a coulé sur la voiture, puis il fait... Bon, c'est quelqu'un qui a commandé 14 en anglais, on va faire traduction simultanée, mais il fait, écoute ma vieille, désolé, mais là, j'y arrive pas. C'est trop dur pour moi, j'ai pas ouais, le ouais, ouais, je pense que j'ai ouais. Pas y arriver. We're a naked choke, merci. Je vais même essayer quelque chose. Il se retourne. Et on entend comme un craquement. Et on voit le filtre à air qui était complètement cabossé, qui s'est remis en place. Alors là, on voit Arnie, la scène, elle est super belle. Le film, il s'appelle Christine. On voit Arnie qui se recule comme ça. Il se met face à la voiture. Il la regarde et il fait... Ok, show me. Bon, en français, quelle c'est moins sexy, mais ça fait Ok, montre-moi. En anglais, ça pète mieux. Et là, on voit la voiture se reconstruire sous nos yeux. Bon, c'est effets spéciaux des années 80. Donc c'est laborieux. C'est un peu comme quand tu vois Star Wars, les premiers épisodes, tu te dis ouf, il y a eu de l'évolution. On voit pas de... Il n'empêche que la voiture se reconstruit. Et vous savez ce qu'il y a de fantastique dans ce film? Qu'est-ce qui en fait un film, entre guillemets, d'horreur? Mais c'est simplement qu'on a donné à quelque chose qui n'est pas vivant, une voiture, la capacité du vivant. Parce que moi, j'ai essayé. J'habite en montagne. Et en fait, les routes sont très étroites. Et de quoi tu parles? Ma femme a bougné le côté gauche de ma Volvo. Tout abîmé, toute l'aile qui a été déchirée. Donc moi, j'ai vu le film Christine. J'ai posé la voiture sur une place de parking, tranquillement, au repos. J'ai fait trois pas de côté, je regardais ma Volvo, je fais « Ok, montre-moi ». Rien se passe. Je me dis « Je vais le dire en suédois, peut-être qu'on parle français ». Je l'ai fait en suédois, je m'en souviens plus exactement. Il n'y a rien qui s'est passé. Ben ouais.
Parce que le premier principe que j'ai découvert, c'est que le vivant est par nature auto-réparant. Par nature, le vivant s'adapte en permanence à son environnement. Mais ça, tu vois, on te le dit comme ça. N'importe quel biologiste va te dire, la nature même du vivant, c'est d'être auto-réparant. Tu te coupes, tu te fais une plaie, ta plaie, elle va cicatriser. Il y a tout un processus extrêmement complexe qui passe par une multitude d'étapes. Quelqu'un pourrait faire une conférence pendant 5 heures sur la cicatrisation, tellement c'est fabuleux ce qui se passe à cette échelle-là. On le sait tous, on se coupe et ça se répare. On le sait tous. Mais est-ce qu'on en prend la mesure? T'imagines, quand tu étais jeune, hein, si chaque fois que tu avais eu une maladie, hein, chaque fois que tu avais eu un problème dans ton corps, hein, ta mère t'avait dit, ok, tu es vivant, et parce que tu es vivant, ben, la fonction normale de ton corps, c'est d'aller vers l'autoréparation. Et si actuellement, on ne constate pas une autoréparation, c'est qu'il y a des entraves. Et ces entraves, tous les deux, si tu veux, on va partir dans une enquête et on va essayer de les découvrir. Quand je vous parle ça de la révélation que j'ai eue, c'est exactement ça. Ça a d'abord commencé par une enquête. Par Que ma puissance vitale qui est à l'intérieur puisse s'exprimer de la manière qu'elle devrait s'exprimer. Puisque je suis vivant. Ah, et puisque Claude Bernard, par exemple, le principe de l'homéostasie, me dit, parce que tu es vivant, ton corps est auto-réparant. Eh ouais, mais je le vois pas. Faudrait refaire Christine avec un Suburban. C'est comme ça que je me le représente. Ouais. C'est un peu comme si face à toi, tu avais une table de mixage. Tu vois, il y a des potentiomètres sur la table de mixage. Et puis, tu commences à aller regarder. On ne l'appellera pas Christine, on va l'appeler Kevin. Salut, docteur Barbaillon. Oula, ouais, non, au niveau du sommeil. Il faudrait le ramener un peu. Relation avec les autres, c'est clair que franchement, je passe du temps beaucoup trop isolé et tout. Hop, je le remets à la normale. Tu sais, on règle un petit peu tous ces potentiomètres. Et on dirait Disco Dan qui ferait un TED Talk, c'est la biologie. Ça n'a pas l'air plus crédible. Alors à ce moment-là, cette puissance est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien qui dit qu'il y a un prétendant. Et autoréparant. Non, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la tuberculose, la pancréatite, l'hépatite C et ainsi de suite, je ne les ai pas traités en tant que tels. C'est-à-dire, je ne suis pas allé chercher des substances exogènes, qu'elles soient naturelles ou pas naturelles, exogènes. J'ai simplement fait en sorte de réunir les conditions pour que la puissance vitale qu'il y avait à l'intérieur de moi puisse se révéler. J'allais dire puissance vitale, ça, ça fait un peu quand même, on parlait de la guerre des étoiles. Parce que boire un jus naturel, c'est aussi une substance exogène. Parce que si on se réfère au terme, c'est juste une substance qui est en dehors du corps. Donc à moins qu'ils boivent sa pisse ou qu'ils fassent autre chose, ta chaleur est jamais loin. Tout ce qui va endurer est nécessairement exogène. Pourtant, ça a valu le prix Nobel en 2016 à un Japonais. Je ne pourrais pas vous prononcer son nom, là, je l'ai un peu zappé. Ça lui a valu un prix Nobel. Il a montré que le blocage des processus autophagiques dans le corps expliquait l'émergence, l'explosion actuelle des troubles neurodégénératifs comme maladie de Parkinson et Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie? L'autophagie, c'est un truc fabuleux. Ça te dit c'est une bonne question. Quand simplement tu t'arrêtes de manger, eh bien à ce moment-là, il y a un mécanisme qui se met en place dans le corps dans lequel le corps va commencer à se consommer lui-même. Mais là où on a du bol, c'est qu'il ne se consomme pas au hasard. T'imagines, tu sortes un repas, bif, tu perds un œil. Hop, oh bah, mauvaise pioche. Tu peux mettre la pause là? Ouf, c'est un noir. Tiens, tiens. Ouais. L'autophagie, c'est vraiment quelque chose qui existe dans la nature et puis on en fait tous tout le temps. C'est effectivement, parfois la cellule a besoin de créer des gros éléments. Et puis elle peut pas utiliser des enzymes pour les dégrader parce que c'est la structure à dégrader est trop grosse par rapport à la taille d'une enzyme. Donc ce qui fait qu'elle crée en fait des espèces de sacs de recyclage en dedans d'elle. Donc la cellule va créer un sac de recyclage, emballer tous les déchets qu'elle doit retraiter, puis remplir ce sac de substances qui vont tout détruire dedans, en s'assurant que ça sorte pas. C'est comme si c'était des sacs ultra résistants dans lesquels la cellule mettait du drano pour s'assurer de faire une bonne soupe avec tout ce qu'elle doit détruire. Mais c'est un processus normal parce que la cellule fait ça soit pour recycler, soit pour détruire des éléments qui sont soit qui deviennent toxiques pour la cellule, soit qui sont devenus inutiles parce que la cellule en avait besoin à un moment et en a plus besoin après, ou en réponse à certains trucs. Et effectivement, dans certaines cellules, les cellules déclenchent de l'autophagie quand elles sont soumises à un stress ou elles n'ont pas suffisamment de nutriments.
mais ça n'a rien à voir avec de la régénération à grande échelle. C'est juste qu'il y a des cellules, à un moment, ben, l'autophagie, ça leur permet de recycler des éléments et puis de se renourrir à l'aide de choses qui sont moins utiles. Et ça permet juste une méthode de survie pour durer plus longtemps. Ouais, c'est un peu comme c'est comme être dans une cabane de bois en plein hiver, puis il fait tellement froid dehors qu'on arrache les planches de la cabane pour se faire un feu. Ben, ça va durer qu'un temps. Donc c'est ça le principe. Je comprends. Merci beaucoup. C'est une précision utile. Ben, c'est plaisir. Fait que, mettons, quand il dit qu'il y aurait des cancers, peut-être qu'il pourrait, ce serait que... Ouais, non, ma gueule. On va voir ça. Il faudrait gérer l'autophagie. C'est pas inimaginable de gérer un cancer avec ça. Ouais. Mais ça prendrait beaucoup plus que des jus. J'ai pas envie de parler, moi. Non, le principe autophagique, il est quand même beaucoup plus intelligent que ça. Il nous dit que quand on met le corps au repos au niveau digestif, en fait, on a l'impression que quand on s'arrête de manger, on s'arrête de manger. On ne s'arrête pas de manger, jamais. Simplement qu'au lieu de recevoir de la nourriture de l'extérieur, le corps commence à prendre sa nourriture de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il va venir chercher? Il va venir chercher ce qu'il y a de plus vicié, détérioré en nous. Il ben va oui. commencer à recycler tous les déchets cellulaires, toutes les vieilles cellules qui traînaient dans un coin. Tu sais, celles qu'on avait balancées avec le balai sous l'armoire pour ne pas le voir là pendant qu'on faisait le ménage. Hop, il va les prendre et il commence à les nettoyer. Ben et non. Il a montré mais que les troubles neurodégénératifs actuellement contre lesquels on des se bat, vieilles pour lesquels cellules on qu'on a laissées dans millions, un racoin, étaient essentiellement liées au défaut de processus. Non, mais il y a des morceaux de cellules, effectivement. Lui, il donne une intentionnalité à ça. En fait, son propos, c'est de dire que c'est ta faute parce que tu manges mal. Et puis que donc, si tu manges correctement, comme lui va t'expliquer, ben, t'auras pas besoin de faire de l'autophagie ou alors l'autophagie sera simplifiée parce que t'auras moins de cochonneries cachées sur tes tapis. Mais lui, il donne vraiment une intention à ça. C'est le principe du repos. Ah, ça, le principe du repos, je l'aime beaucoup. Parce que. Moi, généralement, quand j'allais me coucher le soir, j'allais dire, j'allais me reposer. J'espère qu'après cette conférence, plus jamais vous pourrez dire que vous allez vous reposer. Parce qu'à l'échelle du vivant, le repos n'existe jamais. Non, parce que, t'imagines, là aussi, tu vas t'allonger, tu vas te reposer. Et puis là, on repart dans des grands mots qui ne veulent rien dire. Et oui, il y en a toujours des cellules qui fonctionnent, même quand on dort. On est mal barré. Mais... plus personne ne voudrait dormir. Je comprends les enfants qui veulent pas aller se coucher. Le repos n'existe pas. À l'échelle du vivant, le repos ben, c'est n'existe ça. Pas. On a ton corps au complet, il vit autrement. Un mode de fonctionnement ta température corporelle descend, tout ton corps on est dort. En interrelation avec notre environnement et un mode dans lequel, bien, finalement, on est beaucoup c'est, plus en c'est vraiment comme regarder de la peinture l'énergie sécher, est investie son show, à l'intérieur. Hein. Et elle est investie à l'intérieur pour faire ouais. quoi c'est, oui, c'est mais plus dangereux. De régénération, de restructuration, de réparation dont je vous ai parlé. C'est quand même un gars qui compte bien pour des gens qui veulent croire. Quand même pas oui, effectivement. Hein, qui s'est basé aussi sur énormément de recherches. Il est décomplexé aussi, le gars TED Talk. Il est nu. Je suis pas capable d'avoir une attention soutenue à ce gars-là. Tous les symptômes. Il provoque aucune émotion chez moi. Là. Une tuberculose. Sauf le désintérêt, qui n'est pas une émotion. De... alors, j'allais déjà utiliser le mot. Autant de manifestations. Ben, c'est beaucoup ce qu'il fait. C'est, il parle, il t'explique des choses. Non, c'est ce pas sensible à ses shit, il n'est que risible. Qui va être mieux. Tel que je voulais vous présenter, c'est un système de croyance. Dans ce que j'ai découvert, eh bien, le symptôme n'est qu'un signal. Le symptôme, c'est un signal. T'as de la fièvre, c'est un signal. T'as des boutons, c'est un signal. C'est une manifestation qui se passe à l'échelle du corps. Okay. Et nous, on a toujours l'impression que c'est un problème. C'est-à-dire que l'idée dans laquelle on évolue principalement, c'est tu as des symptômes, la suppression de ces symptômes équivaut à la résolution du problème. Ben ouais, on n'a jamais pensé ça, modèle que moi, j'ai dans ma vie. Dans les principes que j'ai découverts, eh bien, le symptôme n'est rien d'autre qu'une manifestation. Et comme disait Hippocrate, père de la médecine... ah. En toute chose, cherche la cause. Ben oui. Et quand ben tu n'avais pas de médecine avant Hippocrate, sacrément, c'est jusqu'à un TED Talk pour ça. Le symptôme, c'est un signal. Puis c'est cher vous le TED Talk, hein, je viens de vérifier les prix. J'aime beaucoup ma voiture. L'entrée au TED Talk, c'est 5 000 $. C'est la première fois de ma vie où j'ai une vraie voiture. Ouais, c'est pas le prix d'un cornet, ça. Il y a un truc, c'est quand on ne met pas la voiture. C'est une coupe de bon cornet. C'est qui a et payé, tendance, là, c'est j'ai gardé Thierry un petit côté ou... punk de mes 20 ans. Une fois, je me suis dit, bon, elle met faire mettre ma ceinture. Les exposants, de ce que j'ai lu rapidement, les exposants ne payent pas. Les... Je m'en fous. Ils viennent, c'est tout à leur frais. Les gens qui... c'est le public qui paye. À 6 minutes, j'ai craqué. Et puis lui, il n'a rien payé, non. Les Suédois sont plus pervers que les Catalans. J'ai mis ma ceinture. Avec les symptômes, c'est exactement...
Dans mon histoire de vie, des symptômes, il y en a eu. Des signaux, il y en a eu. À 20 ans, petit signal. À 25 ans. À 30 ans. Alors, il est comme un gogone, je pense. Et à 33 ans, les derniers symptômes qui m'ont obligé à me remettre en cause à ce que je remette en cause tout mon système de croyance par rapport à la capacité de mon corps et à la responsabilité dans mes choix de vie, bah, c'était que j'étais mourant. Alors, j'ai tendance de parler d'un système vraiment de croyance dans lequel nous sommes. On a tous un système de croyance. Il y a beaucoup de croyances. Quand on est né dans un système de croyance, on a l'impression que c'est la réalité. Autour de nous, qu'on a l'impression que c'est la réalité. La réalité, on parce croit que par exemple, main, quand il y a un symptôme qui apparaît, ce symptôme, le supprimer, équivaut à guérir la cause, à revenir à la base. Alors, je veux saluer tout le monde. Je parle de système de croyance parce que rien ne démarre en dehors de mon système de croyance. C'est parce que j'ai cru que quelque chose d'autre était possible, parce que j'ai eu la conviction que quelque chose d'autre était possible, parce que j'ai eu la conviction que mon corps avait la capacité de se réparer, alors que tous les signaux indiquaient qu'il était mourant, que j'ai pu mettre en place des choses qui m'ont permis ensuite d'atteindre mon objectif. Alors, j'ai créé une école. Je suis tout seul pour l'instant dans mon école, hein, mais c'est une façon de la nommer d'une certaine manière. J'ai appelé ça l'école du corps intelligent. L'école du corps intelligent, elle se base sur tous ces principes. Je pourrais vous en parler de énormément d'autres, tellement le vivant est fascinant. Mais l'école du corps intelligent, elle se base sur des principes et elle nous dit une chose. Elle nous dit, nous sommes à l'image de notre environnement. L'humain est à l'image de son environnement et il est responsable de ses choix qui vont induire sa qualité de vie. Alors, l'école du corps intelligent, elle a un inconvénient par rapport à l'autre école. L'autre école... Vu que moi, j'ai l'appelé l'école du corps intelligent, les autres, j'ai appelé ça l'école du corps con. Je me suis distribué le bon rôle, hein. Je suis désolé, hein. c'est toujours comme ça. On veut toujours être le bon dans le truc. Dans l'école du corps con, c'est pas mal. Il y a un truc qui est vraiment confortable, c'est que t'es innocent et t'as des maladies qui te tombent dessus toute ta vie. Puis toi, tu sais pas trop pourquoi, t'étais tranquille, t'étais peinard, tu vois. Puis d'un seul coup, bim, t'as un truc qui te tombe dessus. Alors, avantage de l'école du corps con, c'est que t'es innocent, t'y es pour rien. Par contre, gros inconvénient, qui est innocent et qui est pour rien. Non mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Non, il n'y a pas bugué. Parce que dans l'école du corps intelligent, il y a une chose qu'il faut prendre et qui est lourd à prendre au départ. C'est la responsabilité. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Hein. C'est deux choses complètement différentes. Parce que la plupart du temps, nos choix, nous les faisons sans savoir. Nous les faisons par défaut, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas imaginé faire autre chose. Dans l'école du corps intelligent, on reprend toutes nos responsabilités. Ah, on dit, bah ouais. Des conditions qui sont les nôtres actuellement, elles sont le fruit d'un choix. D'un choix parfois qu'on a fait sans trop vouloir le faire, mais elles sont quand même le fruit d'un choix. Et l'avantage, c'est que le corps, c'est un choix. Alors on récupère quelque chose d'extraordinaire. C'est un corps. C'est la capacité. Un corps, c'est une machinerie complexe. On la récupère. Si tu as réussi à développer une conscience et puis. Au travers de ma vie, au travers de ce chemin, un nombre d'éléments, mais ça reste une machinerie. Finalement, m'a amené maintenant aujourd'hui à 45 ans. Elle est adaptée à ce qu'on lui demande de faire. Ou pas. Que je n'ai même pas connu alors que j'avais 20 ans. Mais j'ai découvert quelque chose de fabuleux. C'est cette puissance. Il n'y a pas de, personnification à donner au corps ou de caractéristiques dans ce sens-là. Je la connaisse. On va prendre pour acquis que la vie veut se réparer. C'est ce que j'ai appelé la liberté. Et c'est ça aussi la santé. Ça, c'est donner. En fait, c'est humaniser le. C'est humaniser notre corps. Hey, le flow était bon, il s'en fâche. Je pense que c'est assez impressionnant. Non, il est devenu bon. Il est devenu bon au fil du temps. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment une appétence pour devenir un gourou. Je pense que c'est un constat qui se vaut à date, là, totalement, de ce qu'on a vu. Là. Et ça, c'est quoi? Régénère de Thierry Casasnovas? Ben, c'est ça. C'est pour vous montrer que sa sauce s'est rendue jusqu'ici, et puis on est capable de le trouver chez Renaud Bré. Donc, pour un peu moins de 37 piastres, vous êtes capable d'aller vous acheter ça à votre Renaud Bré préféré, puis au travers d'un million d'autres références tout aussi saucées les unes que les autres. Donc, c'est difficile de trouver des manuels de science ou d'éducation aux sciences, de vulgarisation scientifique, véritable, de qualité. Mais alors, trouver de la sauce et puis nous parler des anges et puis nous parler de faire des mandalas et des choses comme ça qui, pour nous rengainer plus pire,
Ça, c'est une grande, c'est un grand hit pour les libraires. Ben oui, ben oui. Thierry Casos Novas. Casos Novas. Puis là, on passe à la prochaine. Ben oui, on peut. La très juteuse. Donc, pas, mais... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est... alors là, c'est vraiment pour montrer que Thierry Casos Novas a acquis avec le temps vraiment un contrôle sur son image de marque et est vraiment devenu un businessman de la source. Je te laisse la parole. La très juteuse générosité du gourou du manger cru, Thierry Casos Novas. Thierry présente son jus de pastèque dans une de ses vidéos capture YouTube. Quelle générosité, cette personne, belle âme. Tu es quelqu'un de si généreux, gentil, plein de valeur. Tu sauves notre... Je passe à la prochaine. Pourtant, à la suite d'un différend commercial, l'un de ses anciens partenaires, le directeur de la société groupe Altra, nous a contactés pour nous révéler que la philanthropie de façade du YouTuber cache des transactions qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Ne pas apparaître comme quelqu'un dans le commerce. Oh boy! Officiellement, son association régénère vit des dons et de ses adhérents, mais aussi d'une petite commission qui permet de vivre touché sur les ventes de ses produits, notamment les extracteurs de jus. En vérité, selon les documents que nous a présentés le directeur du groupe Altra, Nicolas Weller, les sommes touchées pour cette seule activité ont rapporté plus de 210 000 euros de commission à l'association à but non lucratif pour les seuls 5 mois de février à mai 2014. Tabarnak! On parle de 300 000 dollars canadiens. Aïe, 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 tu vois que... C'est ça. Big fan. Il a vraiment repris les classiques du genre qu'on voit chez les grands communicants, les Mark Zuckerberg, les Steve Jobs. Une apparence comme ça très sobre, des petits cols roulés et puis jeans pour Steve Jobs, hoodie et puis jeans aussi pour Zuckerberg et tout. Lui, il arrive, il est là dans son chandail, ses nu-pieds, puis il a pas l'air d'un gars qui gagne en 3 mois de 110 000 euros, mais il vend un style de vie. Bon, oui, je comprends. Ben oui, ça fait. Là. S'il avait l'air riche, il y aurait moins de dons aussi, c'est logique. Là. Il aurait absolument moins l'air seul contre la machine. Ça serait plus il aurait l'air dans la machine, pas être contre la machine. Voir le document, le document fichier PDF Groupe Altra était une coquille vide appartenant à la société Altra Holding qui n'avait pas d'activité réelle et cherchait à prendre des participations. Thierry nous a donc demandé de gérer ses achats en disant qu'il ne voulait surtout pas apparaître comme quelqu'un dans le commerce. J'ai été embauché avec 6 autres personnes pour y travailler exclusivement à la vente d'extracteurs de jus pour Thierry Casos Novas et au versement de commissions à l'association Régénère. Wow! C'est ça. Donc c'est très lucratif, ça arrose du monde, mais il faut le cacher. Hey, hein! On est transparence libre-médiesque, tu sais, c'est... Fait que, mettons, je pense à Thierry Casos Novas, son incroyable résurrection. Excellent. Peut-être avez-vous déjà vu cette personne sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Thierry Casos Novas et il donne des conseils pour aider les gens à être en bonne santé. Profitons-en pour booster notre immunité. Profitons-en pour consacrer ces jours... Hey, les enfants vont pas aller à l'école. Ben, profitez-en avec les enfants pour faire des jus, pour bien manger, pour faire des phases de jeûne. Pour défendre le modèle qu'il avance, allant à l'encontre des pratiques actuelles, il met en avant son histoire personnelle comme preuve vivante que sa méthode fonctionne. Bonjour, bonsoir. Alors je suis vraiment très très content d'être avec vous. Et je suis d'autant plus content que c'était pas gagné. Alors je vais vous raconter un peu mon histoire, je sais que ça fait bien de démarrer avec une petite histoire personnelle, ça permet de toucher émotionnellement, mais en plus pour moi c'est vrai. Et il faut dire que sa transformation physique est spectaculaire. En quelques années, il est passé de l'état de squelette à celui d'un quadra grisonnant en pleine forme. Cette fabuleuse guérison, il l'attribue aux changements radicaux qu'il a opérés dans sa vie. Alors je me suis dit, il va falloir que je parte dans une enquête. Je suis parti dans une enquête et effectivement j'ai changé des paramètres dans ma vie. Et le changement de ces paramètres, qui a priori étaient des paramètres relativement anodins, tu sais, t'en prenais un. Alors je vais vous parler de paramètres au niveau de l'alimentation, du rythme de vie, de la relation aux autres,
et au travers de l'expérience que j'ai développée après, m'ont montré que c'était la somme de ces petits choix qui faisait qu'un individu à 33 ans pouvait être mourant et qu'il pouvait être vivant à 45 ans. Mais est-ce la véritable histoire ou un mythe savamment construit ? Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre son parcours. La question était rhétorique. Le vrai du faux. Petit à petit, à partir de l'âge de 20 ans, j'ai découvert vraiment ce qu'on appelle le pire du pire. Puisque j'ai commencé à vivre par moi-même, à commencer à consommer pas mal d'alcool, occasionnellement des drogues, et puis après un peu moins occasionnellement. C'est clair qu'à partir de 18-19 ans, quand je suis parti de chez mes parents, parce que j'ai fait l'université, j'ai suivi une formation à l'université, donc je suis parti de ma famille. Dans ma famille, avant ça, j'avais eu une alimentation, on vivait en pleine campagne, j'avais une alimentation relativement de qualité, on va dire, et des conditions de vie qui étaient vraiment de qualité. Et quand je suis parti de chez mes parents, c'est vrai que j'ai découvert la vraie vie, entre guillemets, d'étudiant. Donc j'ai commencé à manger à peu près n'importe quoi, à boire de l'alcool, à sortir. Hey, bon, Métamorphose, comme le podcast qui éveille la conscience. Exactement, comme beaucoup d'étudiants. Donc il y a les qualités de vie, moins de repos, alimentation qui commençait à être vraiment délétère puisque je mangeais à peu près n'importe quoi, surentraînement sportif qui est souvent un facteur quand même d'épuisement et de fatigue. Je mangeais très 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 mal, surtout particulièrement à cette époque-là puisque je vivais seul dans une caravane plus ou moins. Et je me souviens d'une époque où mon alimentation tournait autour des packs de lait, des chips de crevettes, j'aimais beaucoup les chips de crevettes vietnamiens, et des œufs. Donc, et des cornflakes. Je sais pas vous, moi je bloquais sur les paquets de cornflakes quand j'étais jeune. Ça vous est arrivé aussi ? Donc, je regardais ça et puis je. Ah, il y a des lipides, il y a des glucides, c'est encore un effet Barnum, je mange bien. Non, en vérité, j'ai commis de quelqu'un avec l'autre colonne, une anecdote dans laquelle il y avait tout. L'alcool, le rythme de vie, mais surtout une alimentation totalement déséquilibrée et la pratique intensive du sport qui l'aurait conduit à développer de nombreuses maladies en 2007. À 33 ans, je me suis retrouvé, j'étais dans un fauteuil roulant, j'étais vraiment, je faisais la moitié de ce poids, j'avais pas diminué de moitié de taille, mais je faisais la moitié de ce poids, donc je faisais à peu près 30 kilos, là j'en fais 60, 62, je devais faire 30, entre 29 et 30 kilos, donc un zombie globalement. J'avais une tuberculose, une hépatite C, une pancréatite aiguë, je digérais plus rien, j'étais immunodéprimé, en tout cas j'avais été soigné. Donc là, si vous l'avez compris, maintenant c'est que son... J'avais gobé des médicaments pour l'immunodéficience. Si son discours vous dit quelque chose, c'est que ça devient devenu vraiment sa ritournelle. Donc j'avais gobé des médicaments pour l'immunodéficience. Et ça va revenir fréquemment. Après avoir passé quand même plusieurs mois à l'hôpital. Petit à petit, globalement, un médecin m'a dit, raconté, voilà, à la fin de la semaine, c'est terminé. Donc, il améliore son narratif bingo. De multiples pathologies donc qui l'auraient amené aux portes de la mort. Et il adore impressionner son auditoire avec ça. J'étais un sportif normal. Non, mais la tuberculose artérielle, c'est pas impossible. C'est la tuberculose. En fait, ce qui peint, quand on regarde un peu au travers des lignes, c'est une trajectoire d'itinérance. Et j'essaye d'analyser ce qu'il dit. Moi, je pense qu'à une époque, il était itinérant. Il a peut-être attrapé la tuberculose à ce moment-là, parce que c'est une maladie qu'on retrouve chez les personnes qui sont prises avec de l'itinérance et des conditions socio-économiques défavorables. Puis, mais ça se traite, ça. Sauf que faut la traiter à temps. Puis, il y a des complications, et puis les traitements peuvent être dangereux. C'est d'ailleurs un des problèmes. C'est ça qui a valu des problèmes à Raoult, parmi ses problèmes récents, parce qu'il avait fait des essais cliniques sur des itinérants qui souffraient de tuberculose pour mettre au point des traitements. Et puis il a fait ça de façon pas très éthique. Il n'a pas vraiment demandé l'avis des itinérants ou il leur a pas fourni l'information éclairée. Bref. Cette trajectoire, c'est la s'il parle de drogue, on peut s'y retrouver. Les hépatites, ça pourrait aller avec la drogue. Il y a comme un tableau qui se dresse quand on regarde un petit peu ça. Ok, bon ouais, je comprends. Retourner chez vous pour mourir, enfin bon, voilà, c'était terminé. De multiples pathologies donc, qui l'auraient amené aux portes de la mort. Et il adore impressionner son auditoire avec ça. J'étais un sportif normal. Et je perdais énormément de poids et personne ne le comprenait. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé il y a 6 ans. Oh, c'est tout le temps la même affaire qu'il raconte. On l'a vu raconter ces affaires-là dans 12 endroits différents. Pour 1m75, je pesais... Oui. Et puis c'était... Il y a eu assez peu de vidéos qu'on a vues, d'extraits qu'on a vus qui sont des extraits redondants.
j'ai failli mourir. Il affirme son discours. Ses graves problèmes de santé sont devenus une sorte d'argument d'autorité qu'il utilise pour légitimer sa parole. Officiel. Il commence d'ailleurs presque toutes ses conférences par ça. Donc je n'ai aucune formation qui puisse arguer à ça. La seule formation que j'ai, c'est qu'un jour je me suis retrouvé dans la panade au niveau santé. Et c'était peu dire. J'étais mourant. On m'a donné quelques jours à vivre. Et c'est donc aux portes de la mort, condamné par la médecine moderne, qu'il aurait eu la révélation. C'est très christique, hein. C'est très. Et puis un matin, il s'est passé beaucoup un truc de étrange. Beaucoup de récits utilisent ça. Le Christ est mort, ressuscité. On a une espèce d'intuition qui monte de l'intérieur. Luc s'est battu dans l'arbre à Dagobah contre la réplique de Darth Vader et lui a coupé la tête. Puis il a vu qu'il y avait sa propre tête à la place de celle de Darth Vader sous le casque. À la fois, quand tu le dis, ta descente aux enfers. Il s'est engagé. C'est un récit classique que tout dit. On peut le dire. Salut Chantal. Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas. Ma résurrection. Ouais, c'est éveil. Et puis j'allais dire résurrection, j'osais pas dire le mot, je te laisse non, le dire parce qu'effectivement il est parfait, c'est une forme de. Plus chaos, voilà, c'est plus la même vidéo, hein, c'est plus son tête-top. Résurrection, c'est un témoignage. Il y a des moments où ils reviennent dessus. Mais... Donc oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. Par contre, son récit de cette révélation change au gré des années. Oui, Chantal, les dents aussi, d'après lui. La première version, qui est aujourd'hui introuvable puisque cette vidéo n'existe plus sur sa chaîne. C'est une révélation totalement mystique dans un rêve où il a vu le visage et le nom, ce qui est assez pratique, du fondateur de l'instinctothérapie. Puis une nuit... Donc l'instinctothérapie, on l'avait vu, je pense, la semaine dernière, donc on va en revoir un petit bout. J'étais en train de mourir, objectivement. J'ai mis un rappel dans une vidéo avec un rêve. Une nuit, j'ai fait un rêve. Oui, oui. Alors, dans ma vie, il y a eu beaucoup de mes choix, de mes tournants qui ont été faits au matin, au sortir d'un rêve. Les rêves ont toujours eu une très très grande place dans ma vie et nombre des intuitions que j'ai eues me sont venues par rêve. Mais celui-là était peut-être parmi les plus forts. Et dans ce rêve, j'ai rêvé de quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais au matin, quand je me suis réveillé, je savais, alors ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne le connaissais pas physiquement, mais je savais que la personne que j'avais vue dans mon rêve était quelqu'un qui s'appelait Guy Colburger, qui était l'inventeur de l'instinctothérapie, le créateur de l'instinctothérapie. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était lui. Donc j'ai filé vite à vélo voir mes amis qui habitaient pas loin de là, leur demander s'ils avaient le livre de Guy Colburger, et quand j'ai eu le livre en main, puisqu'ils l'avaient, j'ai retourné, et sur la quatrième de couverture, il y avait la photo, et j'ai bien reconnu la personne que j'avais vue en rêve. On reviendra sur cet auteur qu'il a vu en rêve dans une autre vidéo. Mais c'est Burger. On passe tout de suite à une deuxième version, qui est assez proche, mais quand même beaucoup moins spectaculaire. J'étais au bord de la mort, quoi, vraiment au bord de la mort. Et j'avais des amis qui pratiquaient l'alimentation crue, plus ou moins. Ils m'en avaient pas mal parlé, je tournais autour de ça depuis des années. Mais j'avais jamais vraiment accroché, ça ne me parlait pas. Et puis il y a vraiment une nuit où... Ça fait un peu mysticos, mais ouais, j'ai fait un rêve d'une certaine manière. J'ai vraiment eu la certitude que comme ça, j'allais pouvoir inverser le processus, quoi, qui était vraiment mal parti pour moi. Voilà, sans doute que le fait de rêver de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, tout en se souvenant de son visage et de son nom au matin, c'était un petit peu trop gros. Mais on a encore une troisième version. Là, cette fois-ci, le rêve est définitivement passé à la trappe. Maintenant, ça se passe au petit matin, parfois avec la complicité d'une mangue. J'étais assis derrière la fenêtre, j'étais épuisé, et je me souviens, une amie m'avait fait parvenir une corbeille de fruits. Et dans cette corbeille de fruits, il y avait des mangues. Et je me souviens très bien, là, j'ai réalisé que j'allais partir à l'hôpital. Je pensais que j'allais mourir à l'hôpital, j'en étais persuadé. D'ailleurs, les médecins ne l'avaient pas caché à mes parents. Ils leur avaient dit, voilà, bon, votre fils, il s'en va pour ben mourir oui, à l'hôpital. Ben oui, le médecin, il a dit... Je pensais que j'allais mourir à l'hôpital. Fini, votre fils. J'ai vu ces mangues, puis je me suis dit, tiens, je vais en manger une, ça sera... sera ça encore de prix, un plaisir de prix, parce qu'elle sentait extrêmement bien. Oui, oui. Et j'ai pris cette mangue. C'était la lumière du matin que j'avais dans mon dos. Petit en ce moment, mais... Et là, clairement, oui. j'ai entendu dans ma tête, dans mon cœur, me dire tu as ici un lieu où tu peux te reposer, tu as les fruits, tu as les éléments les plus nutritifs de la planète, tu as ton père et ta mère pour te donner des soins, tu as des amis pour t'entourer, tu as tout. Tu n'as besoin de rien d'autre. Et parfois sans la mangue. Un petit matin, j'ai vraiment été convaincu de ça. Je vais vous raconter l'histoire. Ça va faire donc là, c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment de passer au travers des étapes de son discours. C'est vrai. C'est il y a vraiment un... C'est comme un feu roulant. C'est une fois qu'il épuise un sujet, qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas,
du style j'arrivais plus à marcher, je faisais. Mais il rembraye sur autre chose, il s'essaye différemment. J'avais fait plusieurs arrêts cardiaques les jours précédents, j'étais vraiment au bout du bout. Comme il a dit là, Einstein, là, essayez tout le temps la même affaire. De révélation. C'est ça. C'est là où c'est descendu en moi. Mais un truc tout court, me dire, mais en fait. Arkayel, il est plus dans le sud-ouest de la France. Et que là, maintenant, t'es un espèce de zombie triste, tout décharné, qui est même plus capable de tenir debout à 33 ans, c'est que. Mais il est mis en examen aussi. Ça, les autorités essayent ça, de faire des choses. Mais c'est du monde qui est capable de construire leur business jusqu'à temps qu'ils puissent se couvrir, en fait. Il y a des amis à lui qui lui ont conseillé. Ils arrivent à embaucher du monde, pour se couvrir, pour les baquer légalement, de son récit, et à faire de la sauce, qui est de la sauce, mais qui légalement face à ce qu'il raconte. Mais passons sur les détails de cette révélation. D'après lui, il réalise à ce moment précis qu'il doit se comporter mieux avec les autres, et surtout changer son alimentation. Du jour au lendemain, il décide donc de manger tout cru. Et c'est ce qui l'aurait sauvé d'après lui. Il y a une espèce de basculement qui s'est fait dans ma tête avec une espèce de compréhension. Alors qu'il dit comme ça va paraître d'une banalité totale, mais c'était, en fait, si t'en arrivais là, c'est que tes choix de vie t'ont mené là. Il suffit de faire d'autres choix et tu peux aller bien. Et là, en quelques jours, j'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus. Exclusivement. On m'avait dit, voilà, le plus grand contenu micronutritionnel se trouve dans les aliments non transformés. J'ai dit, bon, pas qu'à ça le maintienne, je vais me nourrir que de ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, je me suis mis à manger uniquement des fruits, des légumes, des oléagineux, des produits animaux aussi, hein, puisque je n'excluais pas ça. Tout cru. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que ces journalistes de France 3 Occitanie, avant de produire ce reportage totalement hagiographique sur lui et quelques autres naturopathes, se sont vraiment renseignés sur son histoire ? Est-ce vraiment le fait de manger cru qui l'a sauvé d'une mort programmée ? J'en ai des... Eh bien, en réalité, ce que Thierry Casasnovas ne nous dit pas, c'est qu'il avait déjà adopté cette alimentation des années auparavant. Une alimentation vivante, saine, végétale, crudivore. Là, on peut y mettre un coup de crainte parce que je pense qu'ils vont répéter un petit peu. Il l'a envoyé en 2005 au naturopathe Robert Masson. Et que ce dernier a publié le magazine BioContact numéro 162 en octobre 2006. Courrier adressé à Robert Masson par une personne en recherche d'équilibre alimentaire. Bonjour, je me permets de vous écrire car je suis face à une impasse de quelques heures du matin. Je m'appelle Thierry et j'ai 32 ans. Je mesure 1m76 et mon poids vient de tomber à 38 kg. Ah Joël, c'est pas mon micro qui chie tant que ça, c'est... Je pense que c'est seul chiffre mon ordinateur, ma connexion générale. Je vais vous décrire un tableau qui va peut-être vous paraître classique. Plus de 10 ans de végétarisme à forte tendance végétarienne. T'avais pas un micro casque, par contre, ça. Et depuis quelques mois, des pratiques dissociées, fortement imprégnées de l'hygiénisme. Mais... Même si intellectuellement, toutes ces approches paraissent cohérentes, force est de constater qu'en pratique, c'est la banqueroute. C'est pas correct. C'est un copain, Robert Masson. Prochaine fois, ça serait mieux, je pense. Qui avait utilisé, en le défendant, un de mes témoignages donnés à titre privé pour faire de la calomnie, de la diffamation. C'était il y a pas mal d'années dans BioContact. Donc, un bon ami. Robert Masson affirme avoir eu l'accord de Thierry Casasnovas pour utiliser son témoignage comme exemple, mais cela l'a quand même énervé. Il a publié un droit de réponse dans le numéro 163 de cette revue, après avoir immédiatement réagi sur le forum EcoBio, où il écrit le 6 octobre 2006... Laisse-moi te préciser les circonstances de cette entourloupe. C'est un message échangé avec Masson l'hiver dernier par internet, alors qu'en plein hiver, un ami m'avait fait douter de mes choix alimentaires. La pression de l'entourage, vous devez tous connaître. Et parfois, je doute, effectivement. Ah, encore Barnum, c'est plutôt ça, non ? Mais je suis resté sur la voie avec laquelle je suis en résonance. C'est un classique, le Barnum. Une alimentation crue et autant que faire se peut, vivante. Alors qu'il vient d'appeler à l'aide Robert Masson sur son état de maigreur alarmant, il affirme que personne ne pouvait alors expliquer sa perte de poids à cette époque. J'avais perdu énormément de poids sans que personne puisse comprendre. Je faisais 30 kilos pour 1m75, donc j'étais un zombie, quoi. Cachexie, on parle. Et pourtant, dès l'année 2006, les médecins qu'il consulte le mettent en garde qu'il est dénutri, qu'il est trop focalisé sur le fait de manger sain. C'est ce que prouve cet échange également sur ce forum, où il dit « Je suis suivi au niveau diagnostique par un médecin endocrinologue à l'hôpital de Rangeuil à Toulouse. Et tout ce qu'il a trouvé à me dire pour expliquer ma dénutrition était que je mangeais trop sain. »
Il s'entêtait donc dans un régime alimentaire oui. de graves conséquences sur son état de santé. C'est trop bien fait, c'est médical faire mal. L'avait alerté à ce sujet, et ça, c'était un an avant ses gros ennuis de santé. En 2006, toujours, il débourse même plus de 4000 euros pour faire un stage de 3 semaines en Floride, dans le très controversé Institut Hippocrate, sur lequel nous reviendrons dans une autre vidéo, où il mange déjà On avait cru. Déjà parlé de l'Institut 33 Hippocrate. Ans. Le Noël précédent, j'ai décidé d'aller au centre Hippocrate aux États-Unis. Pas Hippocrate, et puis. Je pense parce que je me sentais mourir. Je pense et puis les Grecs anciens sont l'occasion de faire beaucoup de choses sur la médecine. J'ai entendu parler de ce centre, on m'avait dit qu'il soignait énormément de choses, donc je suis parti 3 semaines là-bas. Bon, j'ai beaucoup apprécié le côté spa, c'était très confortable. Pour ceux que ça intéresse, il y a tout un reportage. Je m'ennuyais tellement là-bas que j'ai fait un reportage au jour le jour que j'ai publié dans ecobio.info, dans la rubrique. Alimentation vivante, ça s'appelait en direct de l'Institut de Santé Hippocrate. Il vante les bienfaits de ce centre jour après jour sur ce même forum, où il dit tout le bien que lui fait cette nourriture naturelle. Privilégier le vivant plus que le cru, c'est-à-dire un max de jeunes pousses et graines germées, et surtout des jus, oui. des jus. Délicieux qui plus est. Ne pas surcharger, c'est ne pas surconsommer amandes, noix, avocats, aliments hyper concentrés, car loin de renforcer notre organisme, ils auraient plutôt tendance à l'épuiser. Des jus de légumes en grande quantité, des graines germées, bref, les prémices de ce qu'il diffusera quelques années plus tard en prétendant être le régime qu'il a sauvé de la mort. Bon, c'est à ce moment-là, notre enquête, ce que nous ça. Savons, je pense qu'il c'est est sa business. Totalement crudivore au moins de 2005 Vraiment. À 2011. Il en parle dès 2005, il va même en Floride en 2006 pour approfondir sa connaissance de l'alimentation vivante, mais cela le conduira tout de même à ses ennuis de santé de 2007. On est donc très loin de la révélation au point de la mort et du miracle de l'alimentation crue sur son état de santé. Il affirme pourtant que son nouveau régime alimentaire l'aurait sauvé. À partir de 2007, Thierry va progressivement retrouver son autonomie. Il faut bien se souvenir quand même que le corps humain fonctionne, tire son énergie des sucres simples. Au début de l'année 2011, il voyage en Asie. Même si les images n'en témoignent pas encore, il va mieux. Mais... encore une fois, la réalité est bien différente. Observons les effets de ce régime sur son état physique. Ouais, brutalité, voilà une photo assez rare de lui en 2005, alors qu'il est artisan boulanger itinérant et pas encore totalement crudivore sans doute. Il a l'air plutôt bien. Et maintenant le voici en 2011, après 4 années de crudivorisme, de repos et de tourisme. Alors vous allez me dire, oui mais... il faut bien au moins 3 ans pour se remettre d'une tuberculose, c'est normal qu'il emporte encore des traces physiques. Et oui, mais sauf que ce qu'il nous cache là aussi, c'est qu'en 2009, soit 2 ans avant de commencer ses vidéos sur YouTube depuis la Thaïlande, sa santé s'était relativement améliorée et même s'il restait très maigre, son état était loin d'être aussi catastrophique qu'en 2011. C'est la compétition et maintenant j'essaye de le faire sans polluer. Participer à un rallye comme celui-ci, c'est la chance de pouvoir être confronté à des personnes qui sont tabarnak, hein. J'étais venu en tant que spectateur. Grâce au soleil, quand j'ai gardé tout mon plaisir et sensations fortes. Quand tu vois côte à côte, ça change. En réalité, c'est surtout de 2010 à 2012 que son état s'aggrave. Regardez-le en juillet 2012. Est-ce que vous voyez une amélioration de son état par rapport à 2009? L'aggravation de son état de santé n'est donc absolument pas liée à la malbouffe ou au sport de haut niveau, comme il le fait croire. Au contraire, c'est son régime crudivore à base de jus de légumes qui l'a conduit à cet état de délabrement. Et c'est là que normalement vous avez du mal à me croire. On a une personne qui vante jour après jour les jus de légumes, le crudivorisme, et qui en fait a failli mourir à cause de ça. En fait, je vous ne demande pas de me croire moi, il l'a dit lui-même. Voilà, il a avoué, ce sont bien les jus de légumes qui ont failli le tuer. Et ça, il le dit sur un forum anglophone qui s'appelle Raw Paleo Forum, qui est aujourd'hui fermé, mais dont les archives sont toujours consultables en ligne. Il y poste 2 messages en anglais sous le pseudonyme Diogène, le 14 et le 15 mai 2010. Alors, je vais les laisser en anglais et je vais vous traduire rapidement ce qu'il dit. Déjà, dans le premier message, on peut l'identifier assez facilement puisqu'il donne son âge. Il dit qu'il vit près de la frontière espagnole en France et il signe de son prénom Thierry. Et dans le deuxième message, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Il écrit « Salut, j'étais végétalien crudivore pendant environ 10 ans avec beaucoup de fruits entre autres. Et mon poids a baissé au fur et à mesure des années. Je pesais 40 kg pour 1m75. Plein d'énergie, c'est vrai, mais sans aucune force. C'est alors que j'ai découvert ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Avec une tonne de jus, peu de fruits, seulement des légumes, et tout est allé mal. J'ai perdu 8 kg de plus. »
Je suis devenu comme incapable de changer de direction. Ah oui. Envoyé à l'hôpital avec une tuberculose, une hépatite et un système immunitaire. Très classique. On peut tout à fait vivre avec des alimentations végétaliennes, voire végétaliennes. 20 kilos, mais ça prend de faire attention à son alimentation et puis on peut supplémenter ou alors on peut faire attention et puis manger plus d'une chose ou d'une autre. Après, il reste qu'en tant qu'humain, en effet, pour être omnivore, donc on a quand même besoin d'un petit peu d'introduction de viande, en tout cas de choses qui sont beaucoup plus accessibles ou mieux accessibles, comme le fer dans les protéines animales. Mais après, moins tu diversifies ton alimentation, et plus tu vas te carencer. Et puis donc là, lui, il s'était retrouvé à manger quasiment que quasiment frugivore. Puis les fruits, c'est beaucoup de sucre, c'est pas nécessairement beaucoup de protéines. Il a manqué de variété dans son alimentation. C'est ça. Donc il aurait pu pitcher des noix. Il faut pas avoir peur. Ouais. Et il faut pas à l'inverse que ça devienne Casasnovas qui devienne un pamphlet anti-végétarisme. Ben non. Mais c'est ça. Voilà, non, je comprends, c'est très important de le mentionner. Là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a abusé puis qui a oublié la variété de son alimentation, comme disait Yann. Voilà, faites attention à ça. Je vais aller pisser, je vous laisse avec le menteur pathologique. Et qu'ensuite, l'alimentation vivante à base de jus de légumes a bien failli le tuer. Clovis, c'est une bonne question, mais je pense que probablement que dans son même poste, les farines d'insectes et choses comme ça, la consommation de viande crue, ça, ça pourrait compenser certaines affaires. Mais ça reste animal. De l'instacto pendant un long moment et qui a pratiqué pendant 20 ans l'instacto nutrition m'a poussé à faire l'expérience. Juste renifler et sans préjuger de ce que les choses sont. Ce qui est encore plus effrayant de Morkiwi, c'est vraiment quand tu regardes son évolution, en fait. M'a pris quelques là, tu vois vraiment la trajectoire. Mais vraiment, mon corps a pris le contrôle de mon esprit et a senti que c'était nécessaire. Durant deux quelqu'un mois, d'aussi maigre, c'est souvent des gens qu'on voit que dans des thématiques très particulières. Chaque fois que je mets la viande dans ma bouche, je sens tellement voir quelqu'un d'aussi maigre, ça me fait penser aux camps de concentration, aux familles, aux gens du cancer. Je pense que j'ai bien plus de gratitude envers eux que lorsque j'étais végétalien. Il a donc recommencé à manger de la viande en 2007 ou 2008, et c'est ce qui peut expliquer l'amélioration de son état général que l'on a pu constater en 2009. Ensuite, pour des raisons visiblement éthiques, il a pendant un temps banni la viande de son régime alimentaire, ne se nourrissant plus que de fruits et de jus de légumes, et c'est ce qui l'a amené à son pire état. Voici seulement 2 ans plus tard le discours qu'il tient à propos de la viande. Y a-t-il quelque chose de bon malgré tout dans la viande? Non, il n'y a rien de particulièrement bon dans la viande à aller chercher. On peut très bien se passer de viande. On peut très bien vivre. Il y a beaucoup de fer qui est biodisponible dans la viande. Ne vous inquiétez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à remplacer la viande. Et puis qui est plus disponible dans la viande que dans les légumes. Il n'y a pas à remplacer la guerre. Il faut arrêter la guerre parce que c'est quelque chose qui n'est pas une solution. Même pas aux enfants. Clovis, je suis pas spécialisé dans la question. Je pense que c'est mieux que rien. Non, très probablement. Ça vient aussi avec ses problèmes parce que un excès de soja, surtout chez les hommes, ça peut devenir un perturbateur endocrinien. C'est d'ailleurs de là que vient le terme de soy boy, utilisé par l'alt-right. Donc, les performances des le plus simple, c'est de manger tout, mais après, il y a quand même des alternatives depuis des années. Pour les gens qui veulent ou qui doivent se restreindre. Il poussait donc volontairement toutes les personnes qui le suivaient à adopter un régime alimentaire qui, de son propre aveu, l'avait pourtant conduit au fond du trou un an auparavant. C'est ça ? Ben ouais ! Un état catastrophique dont il ne s'était sorti que grâce à la consommation importante de viande, chose qu'il a cachée pendant plus de 5 ans à ses abonnés. Il est même allé jusqu'à critiquer le régime paléo et sa consommation de viande, alors qu'il les avait chaleureusement remerciés sur leur forum à peine 2 ans plus tôt. C'est à ceux qui mangent paléo, par exemple. Bon, mais déjà, ils enlèvent toutes les céréales et les produits laitiers. Bon, déjà, tu as enlevé le blé, tu as enlevé les produits laitiers. Alors, je suis pas du tout d'accord avec la consommation de produits animaux qu'ils font, à tous les niveaux, éthiques et physiologiques. Mais sans doute parce que le mensonge était devenu trop gros pour être encore dissimulé, il finira par avouer avoir continué à consommer des produits animaux, ce qui l'amènera à tourner le dos aux véganes, qu'il appelle maintenant avec mépris « végans ». J'ai vu des vidéos, pourquoi est-ce que tout le monde devrait être végan ? Je suis désolé, mais...
La preuve en est, ça se voit très facilement, tout le monde n'a pas intérêt à être végan. Alors j'essaie, il faut dire végan, parce que végan, ça fait gros bœuf. Mais moi, j'aime bien végan, ça fait un peu plouc du terroir, quoi, donc végan. Hein. Donc là, on sent quand même que c'est quelqu'un qui a du ressentiment menti sur la chronologie des événements et sur la cause de ses problèmes de santé. Résumons un petit peu. Nous avons donc le porte-parole de l'alimentation vivante qui a pourtant eu sa santé détruite par cette méthode qui l'a amené tout près de la mort et dont il ne s'est retapé qu'en la piétinant allègrement. Mais en travestissant la réalité, en trichant sur les dates, en enrobant le tout d'un vernis spirituel et ésotérique, il a réussi à construire le mythe de quelqu'un que la société moderne, l'industrie agroalimentaire, le sport de haut niveau... En fait, Corporal Joe, il a échangé ses convictions et au niveau de la nourriture à une révélation pour une conviction et pour le changement radical. Il a compris ce qu'il faisait de l'argent. Un mythe totalement fou, mais qui lui sert de formidable moyen de pression pour inciter les gens à l'écouter et à le suivre, puisqu'il serait la preuve vivante de sa méthode. Il l'avoue d'ailleurs lui-même dans cette vidéo. Sa transformation physique est un excellent argument commercial et il en a conscience. J'ai retrouvé encore il n'y a pas longtemps une photo de l'époque, c'est monstrueux. Il faudra que j'envoie à Gala une fois comme ça. Ah mais attends, la photo de maintenant et d'avant, je passe pour un playboy maintenant, c'est la classe. Hein. C'est ça l'avantage aussi, quand les gens trouvent les vidéos, ils voient les premières et ils disent que j'ai une puis après ils me voient là, tu sais, tout de suite. L'enfant des tunnels s'était rendu à avoir au assez de cash pour manger du cash. Ça marche super bien. Je pense que c'est bon pour toi. En réalité, la seule preuve apportée par son histoire, c'est que sa méthode n'a pas fonctionné, qu'elle est dangereuse et que lui-même a dû l'abandonner pour sauver sa peau. Aujourd'hui, son discours s'est affiné. Il nuance de plus en plus ses propos pour ne pas réitérer l'erreur du mensonge sur la viande. Il ménage sa communauté, il soigne son image de... On avait montré pendant la première partie... Toutes les disclaimers qui mettaient pas du tout sauvé. Ils ont aussi de régénère. Ce genre de belles histoires peut souvent se révéler être une justification pour gagner notre confiance. Il protège les arrières. C'est le cas de cette personne qui a construit une petite garde pour nous attendrir, puis qui en profite pour avoir de l'influence sur nous. Alors, restons toujours méfiants quand quelqu'un prend sa vie en exemple pour nous faire adhérer à ses propos. Grace, oui. Extracteur, je vous recommande vraiment cette chaîne, c'est très très bon. Officiel. L'ennemi juré de Jean-Jacques Crèvecoeur. Oui. Et la narration est vraiment bonne, ils disent des choses, ils sont exhaustifs, ou en tout cas le plus exhaustif possible. C'est très très bon, l'extracteur. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'extracteur fait parle de Casas Novas et que l'extracteur est craint par Crèvecoeur. C'est toute une galaxie d'étoiles qui sont pas si lointaines les unes des autres. Oh oui, bah oui, officiel. On s'en va rapidement vers l'extrême droite décomplexée, puis absolument anti-gouvernemental, puis... Ici, c'est Thierry Casasnovas, plus végétalien. C'est ça. C'est quelqu'un de mémoire de la communauté végé-végane qui fait un bilan sur justement le revirement de situation de Casasnovas. Donc, comment ça a été vu par des gens un peu plus sensibles à la question. Pourquoi n'est-il plus végane ? L'a-t-il vraiment été un jour ? Mais aussi, pourquoi il ne le sera jamais? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! La justice a ouvert une enquête en son encontre pour mise en danger d'autrui. C'est la personnalité la plus signalée du web. Donc c'est ça qui s'est passé. Selon les mise en danger d'autrui, exercice illégal de la médecine. Une tendance sectaire. Des personnes ont été hospitalisées après avoir suivi ses conseils. Ouais, hein. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, Thierry Casasnovas est devenu incontournable dans les milieux alternatifs de la santé. Alors attention, il n'est pas naturopathe, il n'a pas de formation. Et pas facile de s'y retrouver dans son discours qui mêle une part de vérité avec une part de marketing. Puis même, je suis désolé, mais naturopathe, de façon à détourner notre attention et nous manipuler.
Ça s'appelle le gaslighting ou détournement cognitif. Pink Vettel, je pense, oui. À moins qu'il y ait un autre municipal qui est cadeau de prévu. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce grand gourou des temps modernes et analyser son parcours et son discours sur le végétalisme. Lorsque je regarde ces vidéos, j'aurai envie de les commenter une à une pour démontrer l'incohérence de ses propos. Et que ça prendrait du temps parce qu'il en fait beaucoup des vidéos. Et elles sont longues. Au sujet du véganisme. Par contre, je me suis vraiment fait mal aux oreilles. Casasnova, c'est presque comme s'il avait pris la Bible des diagnostics avec toutes les maladies il va faire des qui existent. Avec, c'est juste un dictionnaire des maladies. Par exemple, puis il en ouvre une, puis il raconte de quoi sur la maladie du jour. Avec les véganes. Wow. Il va même jusqu'à comparer les véganes à la jeunesse Hitler. Docteur Barbaillon, j'attends qu'on m'envoie par la malle mes quatre autres doctorats pour battre à Berkane. J'aurai envie de les commenter une à une pour démontrer l'incohérence de ses propos. On m'appellerait le docteur Megazord. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui au sujet du véganisme. Par contre, je me suis vraiment fait mal aux oreilles en l'écoutant. Les techniques d'enfumage qu'il utilise pour nous embrouiller l'esprit sont impressionnantes. Il va faire des parallèles complètement fous en comparant, par exemple, la Seconde Guerre mondiale et l'idéologie nazie avec les véganes. Il va même jusqu'à comparer les véganes à la Hitler, dénoncer leurs les véganes à Hitler. Utiliser le nazisme comme comparaison avec les végétaliens. Il me semble que, je ne sais pas si c'est une... Il faut savoir que Thierry dénigre énormément... C'est une réalité historique, c'est de la désinformation, mais il me semble que j'avais entendu quelque part que Hitler était végétarien. D'ailleurs, il le dit dans ses vidéos. Rien que le mot « véganisme » lui écorche les oreilles. Bizarre, non, pour une personne qui se nourrissait... Docteur Barbaillon, au Corin, on n'arrête pas la crise de jus de légumes. Mais les véganes, pour lui, c'est avant tout des personnes qui choisissent mal leur combat, qui se restreignent à la seule cause animale, plutôt que de lutter pour l'ensemble des problèmes planétaires. Apparemment, Thierry est un surhomme qui arrive de son seul être à œuvrer sur l'ensemble des catastrophes planétaires. Nous, pauvres hommes lambda, on essaye de prendre le problème par un bout, à savoir la production et la consommation de produits animaux. Et mine de rien, avec ce seul petit combat, nous avons l'ambition d'améliorer la santé des gens, l'écologie et le bien-être animal. Nous pensons que devenir vegan, c'est aussi ouvrir son esprit et développer sa sensibilité. C'est devenir moins belliqueux et agressif les uns envers les autres. Sortir de la dissonance cognitive et cesser d'être dans le déni de responsabilité. Arrêter de manger des produits animaux, c'est également arrêter de manger les hormones naturellement. Ça sera pas long, j'en reviens. Je m'excuse, Yann, j'aurais dû être plus clair. Ma carte de son venait de ressauter. Fait que j'ai pesé pause juste comme c'est arrivé. On y retombe. Nos niveaux d'humeur, puisque nous aussi, nous sommes des animaux. Venons-en au parcours de Thierry dans le végétalisme. Ancien toxico et alcoolique, ça va réarriver. Ma carte de son a besoin d'être changée. On va faire ça en adulte dans les prochains jours. Selon ses dires, il allait de plus en plus mal sur ce mode d'alimentation. Il s'essaye ensuite au crudivorisme, mais toujours pas d'amélioration. Il va même souffrir d'abcès qui seront soignés par une antibiothérapie qui va saccager son organisme. Il va donc encore une fois changer de méthode et se lancer dans l'alimentation vivante qui correspond à sa phase extracteur de jus et éviction du sucre. Il va descendre jusqu'à 40 kg. Normal, me direz-vous, sur un régime composé de jus de légumes. Son corps va dire stop. Il crie famine et il va développer une tuberculose couplée d'une atteinte hépatique, certainement due à son passé de toxico-alcoolique, car les médicaments et l'alcool détruisent le foie. J'en parle dans ma vidéo sur la maladie du foie gras que je vous mets dans le petit juste ici au-dessus et en description. Il va descendre jusqu'à 30 kg et va alors se tourner vers Guy Claude Burger, je ne sais pas comment on prononce, condamné pour
escroquerie, exercice illégal de la médecine, abus sexuels, agressions sexuelles et viol sur mineurs de moins de 15 ans. Sa méthode, l'instinctivorisme, consiste à manger ce dont on a envie sur le moment. Il va se tourner vers la viande crue. Et selon lui, c'est ce qui l'a guéri. Évidemment, son corps appelait à la calorie à tout prix pour éviter de mourir. À ce moment précis, son corps se fiche de savoir quelle source calorique est bonne ou mauvaise pour lui. Il veut juste survivre. C'est une extrême simplification. Mais une fois qu'il a fini cette période de survie où son corps affamé mangeait n'importe quoi... Parce que les calories, c'est bien, les calories, ça fait tourner la machine, mais que son corps il y a besoin aussi d'éléments structurels. La viande. Normal. Pendant tout ce temps, tu veux dire, quand on construit une maison, si tous les travailleurs sont fatigués, bah, la maison va se construire lentement. Si on a des briques, on peut avoir des travailleurs super reposés, mais ils ne se construiront pas. De compléments alimentaires, de stages, de trampolines et bien d'autres. Partant de cette histoire, on pourrait croire que le végétalisme ne lui a pas convenu. Et donc que ce mode d'alimentation ne peut pas vous suffire. Ça fait plus d'une personne. Je suis végétalienne et pourtant je ne pèse pas 30 kilos. Alors, quelle erreur a fait Thierry pour échouer sur ce mode d'alimentation? Eh bien, il ne mangeait tout simplement pas assez. Il avait une phobie du sucre et des glucides. Pourtant, le glucose, c'est l'énergie vitale de notre corps, que ce soit de nos muscles, mais également de notre cerveau et de l'ensemble de nos cellules. Sans énergie, notre corps ne pourra pas mettre en œuvre les processus de guérison. Tout fonctionne à l'énergie sur notre planète. Pas sans que le glucose dans lumière, la vie, le glucose plantes, c'est bien, mais on peut bois, aussi pas de faire... Feu, sans benzine dans une voiture, pas de déplacement, pas d'autres, juste pas d'autres sources d'énergie. Son corps qu'il avait malmené durant des années à coups de drogue, alcool et hygiène de vie déplorable, avait simplement besoin d'énergie pour se régénérer. Avec des jus de légumes, vous n'atteindrez jamais les calories nécessaires à votre bon fonctionnement. Vous serez sur un total calorique journalier de 1000 calories à 1500 calories maximum. Et ce n'est pas du tout suffisant. Ce sont là, si je mets un peu de beurre dedans, des personnes vivant dans des pays du beurre, c'est comme du jus de vache, madame. Pour une personne de 60 kilos, on est sur un minimum de 2200 calories par jour. C'est un grand minimum. Donc ce n'est pas sur un régime crudivore de jus de légumes que vous allez réussir à atteindre ce quota calorique. Voilà la première raison du pourquoi Thierry n'est plus végétalien. J'aimerais éviter au maximum de personnes de tomber dans ce piège, dans lequel il est lui-même tombé, un moment, mais et ça d'éviter être ainsi de devoir recommencer à manger de la viande pour se sentir voilà, mieux. En tout cas, le régime parce que keto. C'est absolument pas normal de se sentir mal sur un mode de vie végétal. Le but de ma chaîne, c'est que le maximum de personnes puissent se sentir bien sur un mode de vie végétal, puissent avoir une bonne santé, se guérir et garder un poids stable tout en faisant du bien à la planète et aux animaux. Deuxième raison pour laquelle Thierry n'est et ne sera jamais vegan, c'est tout simplement une raison commerciale. Il vend des appareils, des compléments alimentaires, des cures, des stages qui ont pour but de vous guérir. Si vous étiez végétalien, il n'y aurait plus besoin de vous guérir de quoi que ce soit. Les jeûnes sont inutiles sur une alimentation végétalienne riche en glucides et pauvre en graisse. Pourquoi se détoxifier lorsqu'il n'y a pas de toxines? Les lavements, c'est pareil. Quel animal dans la nature s'enfile un tuyau dans le derrière pour se nettoyer le côlon? Aucun. Tout simplement parce que les animaux surtout que mangent si c'est pas pour une bonne raison et encadré par des spécialistes appropriés, ça peut être dangereux parce c'est que un commerçant. Un lavement, d'ailleurs, j'ai l'impression vous allez vous enlever votre flore intestinale. Même à l'époque où j'avais fait une de mes toutes premières vidéos de ma chaîne sur l'aloe vera, je me souviens que YouTube m'avait suggéré les vidéos de Thierry que j'étais allée voir et effectivement, même pour de l'aloe vera, il proposait d'en acheter par son intermédiaire à un producteur qu'il connaissait. Donc à mon avis, toutes les vidéos qu'il fait ont un but commercial. À la fin de chacune de ces vidéos, il va vous vendre un complément alimentaire, un stage, un extracteur de jus ou je ne sais quoi d'autre. Il fait beaucoup de tort au mouvement vegan car ces erreurs alimentaires ne correspondent en rien à un végétalisme sain et pérenne. Évidemment, les carnistes saisissent l'opportunité qu'on leur donne pour critiquer les végétaliens en donnant pour exemple Thierry, moitié mort de faim. Et ça, ça fait beaucoup de tort au véganisme. En plus, il est complètement dans le déni parce qu'il répète souvent dans sa vidéo que la façon dont notre société traite les animaux est intolérable. Mais par contre, il est contre les véganes. Il pointe du doigt l'industrialisation
qui devrait selon lui être notre plus grand combat. Mais l'industrialisation, c'est quoi? C'est raser des forêts pour en faire des terrains cultivables? C'est arroser les champs de pesticides pour produire la nourriture des animaux d'élevage? C'est produire en masse de la viande, du poisson et des œufs? Et tout ça pourquoi? Pour faire tourner l'industrie de la viande et l'industrie des autres produits animaux. Thierry, tu veux vraiment lutter contre l'industrialisation? Eh bien, deviens vegan, c'est un bon début. Son gros problème, c'est qu'il a échoué sur le végétalisme, parce qu'il s'y est mal pris, tout simplement. Et à la fin du compte, c'est une simple question d'humilité, de dire « oui, je me suis trompé, mais maintenant, je me suis amélioré ». Il dénigre le végétalisme parce que la façon dont il l'a pratiqué ne fonctionne pas. Boire des jus de légumes, prendre des compléments alimentaires et sauter sur un trampoline ne va pas vous apporter la santé et la vitalité si en parallèle vous ne mangez pas assez de glucides et de végétaux et que votre corps doit perpétuellement se mettre en cétose. Cétose qui va intoxiquer votre sang, vous acidifier et lui permettre de vous vendre des compléments alimentaires basifiants. Business, business. C'est clair que lorsqu'on prône un végétalisme comme celui que je pratique, qui est quasi gratuit, vous allez économiser de l'argent. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous achetiez les produits qu'il propose. Oui. Bah oui. C'est clair que, personnellement, je ne vais pas me faire d'argent en vous disant de manger des smoothies de 10 bananes tous les matins, et ensuite de vous faire un grand plat de riz avec des brocolis le midi. Je n'ai rien à gagner là-dessus. Je n'ai pas d'argent à me faire. Comme je dis souvent, dans mon cabinet, j'accompagne les végétaliens et je soigne les omnivores. Les végétaliens ne me rapportent pour ainsi dire rien. Soignez car ils vont venir omnivores. Une fois me voir pour connaître les grands principes et les bases de l'alimentation végétale. Et lorsqu'ils se sont lancés sur cette alimentation, ils n'ont plus besoin de moi. Lui, il va vous prôner un mode d'alimentation, un mode de vie qui lui permettra de vous garder dans un état qui nécessitera que c'est le fun de voir quelqu'un qui pense plein à critiquer Thierry de cette manière-là. Pour essayer d'atteindre la santé. Oui. Cette alimentation vous constipe. C'est drôle comme on voit comment... Vous ne mangez pas... Est clairement moins... Elle n'est pas vraiment saucée. Elle vend juste son mode de vie avec des faussetés scientifiques et des inexactitudes. Mais elle ne vient pas là pour te vendre l'église du véganisme ou du végétarisme. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir la guerre des croûtes, quoi. Ouais, officiel. Wow. C'est de fruits, wow. Et bam, un petit cocktail de vitamines. Vous engorgez votre foie avec des aliments gras et carnés, et bam, bam, une petite plante médicinale à 30 euros. Il ne peut pas être franc avec vous, il ne peut pas être honnête sans discréditer ses méthodes. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Vous l'aurez compris, je ne vous conseille absolument pas de suivre les conseils de Thierry. Oh, on vous conseille si vous décidez de devenir végétalien, c'est votre droit et ne vous laissez pas impressionner par des pseudo-thérapeutes qui veulent vous garder dans un état de dévitalisation pour pouvoir vous vendre leurs produits. Comme d'habitude, et de dévitalisation, vous pouvez me poser toutes vos questions de moi. En commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. Via Felicia à tous. Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Je me suis fait une frange. J'en avais marre des cheveux longs. Bravo, madame. Shit, je m'en tabarnais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en crisse. Préfériez avec les longs cheveux ou comme ça? Ben, c'est long, ça. Je crois qu'il y avait de pas long, ces cheveux-là. Tabarnak, ça m'a fait mal, ce bout-là. Midi Libre vient de l'annoncer. Le naturopathe le plus célèbre de France a été interpellé à son domicile des Pyrénées-Orientales. Les Assises se voulaient l'événement le plus important de ces deux dernières décennies en matière de lutte contre les sectes. Elles ont été éclipsées par cette annonce. Mais ce n'est pas illogique. Elle est presque inattendue tant elle a été espérée. Le lendemain, Thierry Casasnovas est mis en examen pour abus de confiance, exercice illégal de la médecine, faux et usage de faux, exercice illégal de la pharmacie, pratique commerciale trompeuse, oui, ça on l'a vu, hein, abus de biens sociaux, blanchiment et abus de faiblesse. C'est un tournant historique dans le combat contre les nouvelles formes de dérives sectaires.
C'est un article qui date de genre l'automne passé, si je me souviens bien. Même pas, je pense que c'était mars. Okay. Et ça, ça datait à peu près le moment où j'avais fait la première partie. Mais c'est surtout pour montrer à tout le monde que vraiment ça tire large. Parce qu'il y a beaucoup d'angles d'attaque. Et puis, un peu comme Al Capone, finalement, aux États-Unis, qui s'est fait attraper pour fraude fiscale comparé à tout l'exercice illégal qu'il a pu avoir. Mais là, plus on tire large et plus on arrive à voir un feu nourri, ben, plus il y a une chance de pogner quelque chose qui peut donner autre chose. Donc, Casasnovas, c'est ça. Il rentre la tête, et puis surtout, il était, ça on l'avait vu surtout dans la première partie, c'était, il me semble, le saucé le plus signalé à la Miss Village. Ouais, donc la mission ministérielle. Faisait des blagues de ça avec Dieudonné à un moment donné, que c'était lui, depuis 2 années d'affilée, c'était le champion, là. Ben c'est ça, c'est ça. Avec Dieudonné, ils se font des petites quenelles en riant de leurs bonnes blagues. Et puis c'est ça. Donc là, la Miss Illude n'a aucun pouvoir d'enquête ou au-delà des petits moyens qu'elle a pour enquêter sur le côté des dérives sectaires, mais pour enquêter sur autre chose, elle n'a pas de moyens. C'est pas un organisme qui est fait pour ça. Mais par contre, c'est très clair que la Miss Illude a des dossiers à n'en plus finir sur ces personnes-là, puis donc ça commence à lancer vraiment une avalanche. Il délite pas les affaires, on verra ce qui s'en vient. Et émergence, bien entendu, Jean-Jacques Walker. Tu veux que je lise ça? Je peux le lire en vitesse. Lance-toi. Donc, ouais. Donc, soutien à Thierry Casasnovas. Suite à la mise en examen de Thierry Casasnovas, celui-ci se retrouve interdit d'exercer toute activité en lien avec la santé, la naturopathie et le bien-être, jusqu'à ce que son procès puisse avoir lieu. Et cela peut prendre plusieurs années. Accusé d'abus de biens sociaux et de détournement de millions d'euros, Thierry clame son innocence et a apporté toutes les preuves et explications sur le volet fiscal. Donc là, ce qu'on voit, c'est que... Il y a Casasnovas se fait tirer dessus à boulet rouge par la justice et la Miss Illude. Puis là, on a Crèvecœur et tous ses ouailles qui sentent la poudre à canon. Donc eux, ils se rentrent la tête comme des tortues entre les épaules. Et ils espèrent que le gros temps va passer pour eux. Et puis que peut-être que Casasnovas prendra pour les autres. Tout en maintenant une espèce d'esprit de corps comme ça, de la sauce, en disant oh ben oui, on est solidaire envers son grand combat. Et donc pour ça, il y a eu une cagnotte Litchi, puis ça c'est celle que je viens de je l'ai ouverte je pense hier ou avant-hier celle-là, et on était à 95 000 quasiment euros. Le gars, il a cloqué 210 000, c'est en 4 mois. C'est ça, c'est 136 000 dollars pour le grand combat de Casasnovas. Donc, c'est le classique de la sauce. Et voilà, on voit que ça rapporte, et puis qu'il y a des suiveux et puis des désinformés qui sont prêts à mettre la main au porte-monnaie pour libérer leur gourou. C'est ce qu'on voit, effectivement. C'est ça. Et ici, le gardien d'humanité. Je fais partie d'un groupe de gardiens d'humanité. J'ai un petit souci de qualité d'image. J'arrive pas à lire sur mon ordinateur. Je fais partie d'un groupe de gardiens de l'humanité, lanceurs d'alerte ou complotistes, c'est selon, qui a pris la décision de soutenir Thierry de multiples façons dans cette chasse aux sorcières d'une violence inouïe. Ah!
Laissez le charlatan travailler. Dans l'immédiat, nous avons décidé de lancer une cagnotte pendant une durée très limitée, une semaine, afin de donner à Thierry les moyens financiers de se défendre correctement. Tu as apporté ta contribution, même modeste. Donc voilà, on est dans le vernis, comme tu disais tantôt. J'ai l'impression, hein? Tabarnak, c'est là. Aïe, aïe. Puis là, ben, les déviants ici. C'est ça. C'est deux vidéos de bonne qualité aussi. Je vous invite à aller voir leur chaîne. C'est très très bon. Par contre, c'est plus propre. Le commentaire est très doux, mais les images sont super fortes. Bah, Et il se bouge le cul parce que dans 15 minutes, il y a un SAMU. Il n'y a pas d'IT, donc tu peux pas mesurer la PAPS. Si on arrive à le stabiliser, éventuellement on pourra mettre une soigne alors. Bon, c'est réglé, hein, coronavirus. Hein. Si j'étais ministre de la Santé, moi ça serait réglé rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde. Un petit peu de jus de carotte et vas-y, vas-y, que je t'envoie. Et le jus de carotte, ça va te soigner le coronavirus. When the legend becomes fact, print the legend. À 33 ans, quand je suis tombé très très bas, j'en suis arrivé à un point où je faisais 30 kilos. 30 kilos pour 1m75, là j'en fais 60, donc prenez la même taille, vous divisez par deux, prenez la moitié du corps. Donc il n'y avait plus grand chose. Là déjà je ne suis pas hyper épais, donc vraiment il n'y avait plus grand chose. Et il est très probable qu'il y ait une partie des graisses de mon cerveau qui a été mangée, je pense. Grâce à la régénération, il se trouve que depuis quelques temps, de temps en temps, j'ai des flashs qui remontent. Je vois des images. Je régénère. Partie prenante. Ben oui. Jusqu'à 18-19 ans, on va dire que j'avais une physionomie radicalement différente de celle que j'ai actuellement. C'est-à-dire que j'avais été toute ma jeunesse et toute l'adolescence un bon gros d'abord bébé, puis un bon gros adolescent boutonneux. À l'époque, ça aurait dû m'attirer. Oui, oui, j'ai entendu dire ça. Et j'ai failli mourir. J'étais gros boutonneux. Donc j'ai rapidement compris qu'il y avait deux positions possibles dans la vie. Soit tu étais victime, soit tu étais bourreau. Ah, oh, ouais. J'ai choisi d'être bourreau. Qu'il a décidé de la victime. J'avais tout pour être une victime, donc j'ai décidé d'être un bourreau. L'été suite à mon bac, alors que j'étais parti pour faire une formation. Donc là, on va voir vraiment, je pense que c'est dans celle-là, maintenant j'ai un doute. Celle-là ou la suivante, en tout cas, son côté sombre. J'ai été une sorte de conviction, de révélation qui m'a confirmé que ben voilà, c'était pas du tout le chemin pour moi. Donc j'ai remis en cause beaucoup de choses dans ma vie sur le plan psychologique, au niveau des choix de vie. Finalement, je me suis retrouvé à partir de chercher l'alcool, je reviens. Non pas par vrai choix, mais un peu pour rassurer ma famille aussi. Et en fait, j'allais à la fac de temps en temps et je passais mon temps à faire de la planche à voile et à bois. J'ai commencé des études, j'ai fait l'IUFM pour être enseignant, professeur des écoles à Montpellier. J'ai jamais vraiment enseigné. IUFM, c'est Institut Universitaire de Formation des Maîtres. Très rapidement au cours des stages qui suivent la seconde année. Mais enfin, voilà, j'ai été pris au concours. Comme je voulais pas être sédentaire, rapidement, j'ai construit un four à pain sur une remorque et je suis devenu boulanger itinérant. Je vivais dans mon camion, j'avais un four à pain à bois sur ma remorque. À l'époque, par exemple, j'étais boulanger, donc je m'étais inventé un personnage. J'étais boulanger itinérant, je vivais dans mon camion. J'allais sur les festivals, je faisais du pain, donc j'avais une vie dans ces festivals qui était extrêmement visuelle. Tout le monde, j'étais connu de tas de personnes, on m'enviait, j'étais le gars super jovial, super rigolo, généreux, et ainsi de suite. Et à l'envers, à côté de ça, quand je me retrouvais seul dans mon camion, c'était juste l'enfer. Je buvais énormément, je volais. Alors c'était très marrant parce que, maintenant ça me saute les yeux, j'avais une politique, c'est-à-dire que mon pain, je l'offrais. Je le faisais en libre participation, c'est-à-dire que chacun donnait ce qu'il voulait. Mais à côté de ça, quand j'étais chez quelqu'un, je volais tout ce que je pouvais. On va dire que c'est une période assez noire de ma vie. Hein. Je me décris à l'époque comme à peu près ayant tous les vices, c'est-à-dire menteur, voleur, trompeur, usurpateur, ça à fond, violent, colérique, violent, addict à de nombreuses substances. Je suis tombé à 27 ans, 28 ans dans un état de dépression avancée, je pleurais tout le temps. J'ai commencé aussi là, à ce moment-là à m'intéresser beaucoup à ce qu'on appelait le développement personnel. Alors, j'ai fait des tas de stages de chamanisme, de respiration holotropique, de rebirth.
l'année de mes 33 ans. Des rebirths. Il y a eu une accumulation quelque part. Ça, c'est super non, je l'ai eu. À mes 33 ans, j'avais une tuberculose. J'étais en train de cracher du sang tout le temps. J'avais une pancréatite aiguë. Hein, pardon, pancréatite là. Une pancréatite aiguë. J'avais une hépatite C. J'étais cachectique. Hein. C'est-à-dire que pour 1m75, je faisais 30 kilos. On m'a gardé à l'hôpital pendant longtemps. On m'a mis une pression assez considérable pour que j'accepte un traitement contre la tuberculose que je n'ai pas accepté, que j'ai refusé. L'habitat dans lequel j'habitais quelques jours avant mes 33 ans, au mois d'avril, d'ailleurs je m'en souviens toujours, c'est le jeudi de la semaine sainte, hein. Ma yourte a pris feu, je me suis réveillé en pleine nuit. Bonne question, ma Joël. Ma yourte était entièrement en flamme, le plancher était en flamme. Je pense le pas, moi je vois flamme, mes deux bords pareils. Fin juin, mais début juillet. Dépendamment des vidéos, il y en a un qui a plus de difficulté. Une sorte de révélation, de conviction au contact de mes amis qui étaient crudivores, qui pratiquaient un courant alimentaire qu'on appelait l'instinctothérapie, qui est assez prégnant en France, qui avait été très développé dans les années 80-90. C'est ce qu'ils pratiquaient. Ils m'ont donné un livre qui s'appelait Manger vrai. Qui avait été écrit par la personne qui avait mis au point cette méthode alimentaire. Et le livre m'a touché, m'a parlé, c'est écrit sous forme d'une interview. Et il m'a parlé, il m'a redonné espoir, il m'a redonné un colossal espoir. Je m'appelle Guy-Claude Burgère et je suis à l'origine d'une méthode alimentaire ben oui, qui s'appelle tabarnak. L'instinctothérapie. Non mais oui. En fait, au début, Burgère, j'étais d'abord mathématicien, physicien, et un peu lassé de la sécheresse des études scientifiques. J'ai décidé de faire de la musique. Ma carrière a été interrompue par un cancer. Que à ce moment-là, guérir. Je me suis penché sur ce problème de la nutrition. J'essayais d'y voir un peu plus clair, avec toute une équipe de chercheurs d'ailleurs, médecins, biologistes ou biostatisticiens. J'essaye plutôt de ramener dans la médecine officielle une conception plus scientifique du problème de l'alimentation. Au château de Montramé, en banlieue parisienne, le Suisse Guy-Claude Burgère ne faisait pas que prôner l'instinctothérapie ou les vertus du manger cru. Dans cette communauté dont il était le gourou depuis sa fondation au début des années 80, il a aussi mis en pratique ses théories sur la nécessaire libération des relations sexuelles entre enfants et adultes. Face à lui, une jeune femme qui avait 11 ans au moment des faits, victime d'une doctrine inventée par Guy-Claude Burgère. Une doctrine qui prône les relations sexuelles entre adultes et enfants. Je crois que nous avons affaire au parfait gourou qui a pu organiser sa communauté et l'endoctriner. Donc au service de ses fantasmes. J'ai entendu même parler d'un centre qui avait dans le centre de la France où on pratiquait l'alimentation crue, et ainsi de suite, et donc j'ai voulu m'y rendre. Quand je suis arrivé là-bas, je pense qu'après coup, maintenant j'analyse les choses, les gens ont pris peur en me voyant arriver, ils ont pris peur. Comme tout centre alternatif, je pense qu'ils étaient aussi surveillés. J'avais très froid, j'avais froid en permanence, parce que j'étais complètement épuisé, et je me suis fait couler un bain très très chaud. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Je me suis mis dans le bain et là, clairement, bon, j'ai vécu ce que j'analyse après coup comme un arrêt cardiaque. Après coup, hein, j'ai compris. J'ai fait un arrêt cardiaque et j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de sortie de corps. Je suis sorti de mon corps. D'ailleurs, j'ai vu mon corps en dessous. Et d'ailleurs, ça a été pour moi une première expérience très particulière. Parce que moi, je suis un physicien à la base. Donc, tous ces trucs-là, à part quand tu prends des ecstasies, mais sinon, sortie de corps, Dieu, machin, chose et tout. Enfin voilà, ça ne me parle pas. Pour moi, c'est des bondieuses de riz, c'est du marien. Voyons, tu es Dieu, tantôt, c'était la fin la plus importante. Ça a été, là, pour le coup, une souffrance extraordinaire que ce retour sur les Pyrénées-Orientales, je ne savais pas où aller. Et donc, en désespoir de cause, j'ai demandé l'asile à ma famille, à mes parents, qui étaient à l'époque des gens dont je me méfiais énormément. Hein, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Je me suis retrouvé, quand j'avais 25-26 ans, sous la voiture de mes parents, en train de bricoler le système de freinage de manière à ce qu'ils puissent s'écraser contre un mur. Par grâce, mon père s'en est rendu compte alors qu'ils étaient en train de rouler, et il n'y a pas eu d'accident. Mais j'avais fait en sorte que mes parents meurent. Donc j'ai essayé de les tuer, parce que je pensais qu'ils étaient responsables de ce qui m'arrivait dans ma vie, et je pensais qu'en les tuant, ben, ça réglerait tous les problèmes. Et puis un matin, il s'est passé un truc étrange. Mais je pense que c'est ces moments où on est vraiment au plus faible. On a des espèces d'intuitions qui montent de l'intérieur, des moments un petit peu de révélation. Ça s'est passé, je me souviens, j'étais dos à la fenêtre, c'était au petit matin. Et vraiment, à un moment, j'ai vu comme une espèce de lumière dorée tout autour de moi. Alors, désolé, ça fait très péplum, mais... et en fait, j'ai juste eu une pensée qui est venue dans ma tête. Je m'en souviendrai toujours, j'ai pris cette mangue. C'était la lumière du matin,
que j'avais dans mon dos, dans la fenêtre. Et là, clairement, j'ai entendu dans ma tête, dans mon cœur, me dire « Tu as ici un lieu où tu peux te reposer, tu as les fruits, tu as les éléments... » Je ne saurais pas quoi faire, Joël, et même je vois les deux affaires pareilles. « Tu as des soins, tu as des amis pour t'entourer. » C'est probablement ma carte de sang qui a de la difficulté. À ce moment-là, j'ai appelé mes parents, alors qu'ils étaient sur le point de me faire partir sur l'hôpital, et mon père m'a dit après coup qu'il avait vu un feu dans mes yeux, un feu qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Et je leur ai dit, Texo, je ne veux pas aller à l'hôpital, je vais me retaper ici, en mangeant cru, en mangeant strictement des aliments crus, comme mes amis, mes proches me l'ont appris, et avec ça, je vais me retaper. Parce que le premier principe que j'ai découvert, c'est que le vivant est par nature autoritaire. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de service, peut-être qu'il en a fait, d'illustrer ou de commenter sa condition, mais il me semble lui-même pas être une personne à qui je ferais confiance pour illustrer ses propres expériences, vu comme les vidéos précédentes montraient que c'était un menteur. Ok, bah oui. Fruits et de légumes, mais qu'il n'y a aucune raison, aucun symptôme, aucun signe, aucun article de presse, aucun ami bien ou mal intentionné qui pourra me perturber. Brotagui, qu'est-ce que tu veux dire que le feu c'est chaud, c'est dangereux? Pour guérir l'individu, c'est la voie de la régénération. De la ah ok, merci Jean. Je vois le plan de Dieu. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique sur la plage. Et ça, c'était le premier épisode. Waouh. Donc, vraiment, la série, toute cette série, et puis la chaîne Acult, vraiment, je vous conseille très fort. Ah, yeah, c'est... Ouais, le Rebirth, hein, ça ressemble un peu à la sudation extrême, là, de... Ouais. Comme de compresser pour te refaire vivre un trauma là, que tu peux après ça comparer à ce que t'as vécu quand t'étais un bébé. Fait que là, hey. C'est ça. Si une mécanique se détracte, nul ne va penser à Dieu. On examine, on démonte, on répare. Mais le malade dont le corps devient incompréhensible s'élève du médecin à Dieu. Ouais. Effectivement. L'espoir reste. Et c'est l'autre épisode ici, c'est un petit peu plus long. Ouais. C'est très bon, j'aime vraiment ça. On découvre un personnage neutral, la tendance chaotique evil. Là. C'est un égoïste charlatan. Là. C'est un des idoles à Amélie Paul puis à Jacinthe. Puis j'arrive pas à me décider si c'est un illuminé. Ou si c'est un petit arnaqueur qui s'est créé un personnage. Je pense que c'est ça. Ou quelque chose de... Mon visage, ouais. Ou moi personne, qui finalement n'est pas si important. Arrêtons de croire que nous avons des choses qui sont à nous, que nous avons des mérites qui nous sont personnels. Ces mérites, il y a une seule personne à qui, on va dire, c'est personnel, c'est la création. C'est la création tout entière, donc c'est-à-dire c'est tous nos frères humains, tous nos frères et nos sœurs humaines, mais c'est aussi toute la création naturelle, minérale, c'est tout le monde qui nous entoure. Je n'ai pas utilisé le mot de Dieu parce que je sais que c'est connoté, puis parce qu'on a toujours tendance à s'approprier le Dieu, il y a mon Dieu, il y a ton Dieu, donc je n'ai pas utilisé le mot Dieu, j'ai utilisé le terme de création, j'espère que ça vous conviendra. Non, alors que tout le monde sait que c'est lui Jésus. Je ne sais pas sur quoi j'ai parti là aujourd'hui, mais... Si tu as Jésus, tu es un petit peu Dieu. Vous savez ce qui a changé entre la trentaine et la quarantaine? C'est que je suis mort. Mais je me suis retrouvé un jour à 33 ans. Un jour où on m'a dit, texto, on m'a dit, voilà, maintenant tu n'as plus que quelques jours à vivre. 5 jours, je crois, de mémoire. Tu n'as plus que 5 jours à vivre. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'avais un état de santé, effectivement, qui n'était pas très florissant. Hein. À 33 ans, j'avais une tuberculose qui m'avait mangé le poumon droit. C'était devenu un fromage à trous. Hein, pour les Suisses là, de service, je ne sais jamais si c'est gruyère ou émental, donc à vous de dire. J'étais complètement dysfonctionnel sur le plan physique. Et c'est vrai que j'ai une partie de moi qui me dit mais pourquoi ça m'arrive comme ça, ça vient de moi, j'avais l'impression d'une espèce de perversion
Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'avait été rien, j'avais juste des lois que je n'avais pas respectées, que je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas choisir de les respecter. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé un matin et j'ai pris conscience que tout mon mode de vie était pourri. C'est pas de l'autoflagellation, mais du mensonge, du quant à moi, de l'appropriation personnelle, voire un petit peu, dans mon cas, une forme de kleptomanie. Et tout ça, j'ai réalisé que, en fait, c'est des comportements inadéquats qui m'avaient aussi tué. Et alors, j'ai fait quelque chose de très simple, je vais utiliser un terme qui est parfois connoté, mais qui, moi, pour moi, n'a aucune imprégnation religieuse. C'est ce qu'on appelle souvent une repentance, ce qui veut dire prendre une pente différente. Je me suis dit, toutes ces attitudes que tu as eues vis-à-vis de ces personnes, elles étaient inadéquates et, mine de rien, à l'intérieur, elles te rongent. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris le courrier à l'époque, parce qu'on écrivait encore à l'époque, il n'y avait pas longtemps. Et j'ai commencé à écrire, à téléphoner aux personnes, à dire, écoute, à tel moment, je t'ai fait ça, je le regrette sincèrement, je te demande pardon, je suis désolé, j'étais perdu, je ne prenais pas la mesure de ce que je faisais. Et chaque fois que je parlais avec ces personnes, je sentais, tu sais, comme une espèce de poids qui s'est levé au-dessus de mes épaules. Et donc ça, conjointement à une réforme de mon alimentation, qui est relativement simple, dans lequel je suis allé vers vraiment beaucoup plus de nutrition. Et ça, c'est des matrices, comme on a simple, vu. Beaucoup plus riche en nutrition, plus du repos, des bains de soleil, ainsi de suite. Contre toute attente, moi qui étais mourant, moi qui étais condamné, mes médecins m'avaient donné quelques jours à vivre. J'avais une tuberculose qui m'avait rongé les poumons. J'étais immunodéprimé, une hépatite, une pancréatite aiguë. Enfin, plus rien ne fonctionnait à l'échelle de mon corps. Et bien, contre toute attente, je suis remonté. J'ai été touché d'une évidence. Alors maintenant, avec les mots que j'utiliserai maintenant, je parlerai que j'ai été convaincu de péché et convaincu aussi de repentance, qu'il fallait que je fasse une repentance. Ce terme de repentance, moi, il a été très, très fort pour moi, parce que, comme je vous le disais, enfin, en tout cas, j'en avais parlé dans une vidéo et dans une conférence que j'avais donnée aux Rencontres de la Régénération, j'avais expliqué comment, quasiment du jour au lendemain, j'ai senti vraiment la vie revenir en moi à partir du moment où j'ai réalisé que, dans mon mode de fonctionnement avec les autres, dans mon mode de pensée, dans mon mode d'interrelation avec le monde, eh bien, il y avait quelque chose de complètement vicié, de complètement pourri. Le terme de repentance est pour moi extrêmement fort parce qu'il induit un mouvement, une direction qu'on va prendre. Et je pense que cette repentance, elle doit être globale. En tout cas, de ce que j'en ai compris, la repentance, il y a deux racines. Il y a la racine... La repentance, on est encore dans des termes judéo-catholiques, judéo-chrétiens. Ils se retourner, ils sont très pragmatiques, les Hébreux, donc c'est se retourner physiquement. Et j'aime bien la repentance. C'est très christique. Comprendre et agir. Posons donc d'abord ce principe. Dans la repentance, il s'agit que je reconnaisse mes fautes ou celles de ma communauté, afin de retrouver la liberté et de mieux cerner la responsabilité d'autrui. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser l'autre. Tu réalises, donc là tu as la prise de conscience, tu changes ta pensée, tu réalises que ce que tu as fait jusqu'à présent ne convient pas. Par contre, tu es complètement paralysé par ces sentiments, par ces émotions-là qui vont faire que tu vas rentrer dans l'immobilisme. Tu n'y réponds pas et tu restes toujours dans le même état. Je dirais que c'est le dernier rempart du malin pour essayer de nous bloquer dans cet état de dégénérescence. Ben, on va te dire, c'est quoi les injonctions du monde actuel? C'est consomme, produit, œil pour œil, dent pour dent. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur le plan de la santé, on va de plus en plus mal. Sur le plan économique, sociétal, on va de plus on en plus va mal. De sur plus le plan de la mal. Relation humaine, on va de plus en plus mal. Ah, sur oui, le plan du mal. Plaisir, du bonheur à vivre, on va de plus en plus mal. Notre environnement va de plus en plus mal. Donc effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Des fois, il y a des gens qui disent, mais Casasnovas, il a complètement disjoncté, complètement mégalo. Il pense que... Il y a une seule vérité pour tous les individus. Mais regarde, il y a des tas de gens, et les Esquimaux, les gens d'Okinawa, et des choses comme ça. Moi, je leur dis, mais au niveau du vivant, il y a des principes. Et ces principes du vivant, ils sont valables absolument pour tout le monde. Ça ne souffre aucune exception. Okay. C'est ce qui concerne finalement ce que je considère comme étant la continuité entre les lois du monde spirituel et les lois du monde physique. Vous savez, j'aime bien raisonner en tant que loi. Je pense qu'il y a des lois qui gouvernent le monde biologique, la loi de l'homéostasie, les différentes lois qui fonctionnent et qu'il est bon de connaître pour pouvoir les... Oui, mais la loi de l'homéostasie, tu ne la comprends pas et tu ne sais pas... L'homéostasie, c'est l'équilibre, comme on le disait au 19e siècle, des humeurs internes. Et donc, quand on parle d'homéostasie, on parle d'hormones. Par ailleurs, vous avez abordé la notion d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité qu'a l'organisme à réguler un certain nombre de ses paramètres et à les maintenir constants.
Pour cette régulation, il existe une boucle qui est en fait une boucle applicable à l'ensemble des valeurs régulées dans le cadre de l'homéostasie. Lorsqu'une variable est régulée, il existe au sein de l'organisme des capteurs qui sont capables d'enregistrer la valeur qu'a la variable à un instant donné. Ces capteurs transmettent l'information à un système de commande qui a la capacité de comparer la valeur enregistrée à une valeur qu'on appelle consigne. Si la valeur enregistrée est trop différente de la consigne, alors le système de commande envoie un signal, qui peut avoir différentes formes, à un organe ou à un certain nombre de cellules qui jouent le rôle d'effecteurs. Les effecteurs sont capables d'avoir une action directe sur la variable à réguler, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'augmenter par exemple sa valeur ou de la diminuer. Cela permet de revenir à la valeur consigne. Parce que si tu n'es pas persuadé que tu as toute ta responsabilité dans l'accomplissement de cette loi de l'homéostasie, alors à ce moment-là, ben, tu n'as rien à faire, tu es victime, tu es innocent, tu dis ah, « la loi de l'homéostasie, pour moi, elle ne marche pas, ça ne se répare pas ouais, ». Parce que c'est ce qu'on t'a raconté, on t'a raconté que tu n'avais rien à voir là-dedans. Non, vous avez un cancer, est-ce que je dois changer d'alimentation Non, on va faire une petite chimiothérapie. Non, le cancer n'est pas un problème en tant que tel à considérer. Parce que cette loi, la loi de l'homéostasie, elle a été voulue par le boss, elle a été voulue par Dieu. Et moi, s'il y a une promesse de Dieu et que je ne l'obtiens pas, ce que je fais, c'est que je me mets devant la porte et je cogne. Et je cogne, et je cogne, et je cogne. Parce que sérieux, j'ai donné ma vie à Jésus, donc moi, je veux aussi ce qui vient avec. Je ne supportais pas d'être insignifiant. Tout petit, j'étais persuadé que quoi qu'il m'arrive dans la vie, je serais toujours quelqu'un d'extraordinaire, que j'aurais beaucoup d'argent, que j'aurais aucun problème. Ben Dieu, il faut l'avoir à l'usure aussi. Et puis c'est pas Dieu qu'il faut avoir à l'usure aussi souvent. C'est notre mental qui discrimine, qui sépare et qui juge. Ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça veut dire que tu renonces à ce que j'appellerais un des péchés majeurs de l'individu. L'arrogance. Oh. L'arrogance, pour moi, c'est l'une des manifestations extrêmes de l'esprit moderne. Mon arrogance, ma superbe, mon mépris larvé, m'ont rendu malade, m'ont rendu non viable. Et je pense que nombre de maladies ne sont que des maladies de l'intellect, qui ensuite se traduisent sur le plan physique, des maladies de l'intellect, des maladies de l'opinion. J'ai une opinion sur ci, j'ai une opinion sur ça, on s'en fout. On s'en fout de tes opinions. En fait, la conversion et le changement profond qu'il doit y avoir, c'est arrêter de fonctionner à partir de ça et commencer à fonctionner à partir de ça et de nos entrailles, de ce que l'on ressent dans nos entrailles et dans notre cœur. En fait, nous sommes comme coupés. Nous ne sommes plus que des immenses têtes, des grosses têtes avec des tout petits bras et des toutes petites pattes. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça un tyrannosaure. Vous savez, il avait une grosse tête et puis des tout petits bras débiles. Et bien, c'est à peu près ça. On est en train de devenir des grosses têtes, mais pire que des tyrannosaures, on n'a plus de corps. On n'a plus de corps. Or, le corps, c'est le temple de Dieu. C'est là où il s'exprime, c'est là où il nous parle. Et c'est là où on peut trouver la chance d'entendre et de suivre ses lois. Il y a eu un mouvement aux États-Unis qu'on appelait les Yes Men. C'était le fait de dire oui à toute chose, tout le temps. On te pose une question, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord en permanence. Et ça, la vertu que ça a, ben c'est d'arrêter d'exercer ce qu'on appelle notre libre arbitre, qui la plupart du temps un travail de notre pensée qui ne sert à rien. Notre capacité qu'on s'est octroyée à réfléchir sur les choses de manière systématique. C'est-à-dire on veut toujours réfléchir, considérer les choses. Ben ça nous fait dépenser une énergie colossale et ce faisant, on rate la cible. Or, je pense que notre monde, tel qu'il a été créé, est d'une cohérence extrême. Je pense qu'il y a une simplicité extrême, d'une cohérence extrême et qu'il n'a rien à voir avec l'espèce de monde arbitraire, aléatoire, dans lequel on ne comprend pas grand-chose, dans lequel on est brinque-ballé d'un côté ou d'un autre, qu'on essaye de nous présenter. C'est arriver à considérer que tout ce qui se passe pour nous dans notre vie, y compris notre santé, nous n'avons que peu de prise dessus et que la meilleure façon de bien faire, c'est quelque part de ne rien faire. Et donc, je vous avais dit, là où on a consomme-produit l'orgueil et l'œil pour œil, le dent pour dent, eh bien, je propose, ça c'est le programme régénérateur. Souvent on me dit, mais c'est quoi le programme régénérateur? Ben, je propose ça, je propose le jeûne total, je propose l'humilité, je propose le pardon, là où il y a l'œil pour œil, je propose le pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu te fais manger de l'intérieur. C'est-à-dire que ton système immunitaire s'effondre littéralement. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, tu es condamné si tu ne pardonnes pas, mais sur le plan physique aussi. Donc, le pardon n'est pas une option.
C'est pas une option, c'est pas un truc, ah oh bah oui, peut-être, bien que... Non, non, c'est pas une option, c'est une absolue nécessité. C'est une absolue nécessité qui est même inscrite biologiquement à l'intérieur de notre corps. Et là où il y a l'orgueil et la violence, je propose l'amour. L'amour n'est pas une émotion, parce que finalement, aimer celui qui nous aime, franchement, c'est pas particulièrement difficile. Moi, j'appelle pas ça de l'amour. Hein. Aimer celui qui nous aime, il n'y a aucun bien à ça particulièrement. L'amour, il est en action. L'amour, c'est une action avant tout. C'est une action vis-à-vis de l'autre. C'est une bienveillance continue vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre. L'amour, c'est une démarche d'une radicalité absolue. C'est le refus de toute forme de violence. Ces 6 dernières années où je me suis fait copieusement cracher dessus, copieusement insulter. Et pour un caractère bouillant comme le mien, c'est très, 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 très dur. Je me souviens même d'un soir où un journal, si on peut appeler ça un journal, mais bon, un journal m'a prévenu qu'ils allaient faire un article qui allait littéralement être calomnieux vis-à-vis de moi, d'une personne qui me connaît assez. Ben oui, ils ont dit ça. Ben oui, calomnieux. Ben oui. Bien sûr, ce qui montait. Le journaliste a pas dit, il a dit, hey, demain, on va te tabarnak. Mais on se connaît pas, pourquoi tu me fais ça? Tu vas me causer beaucoup de tort. Et je sentais que ça se rebellait en moi, et l'agressivité, et l'énervement. À combien s'élève en bits un autre gros plein des yeux magnifiques de Yann Becker? Le travail, l'activité que tu fais, je me sentirais pas automatiquement, tu vas te faire énormément calomnier. Alors, mais soit tu fais le choix de l'amour, soit tu arrêtes ça, parce que tu vas me dire... Ah ben, vas-y, on peut les... Donc, le phénomène de cancer... Si vous êtes plusieurs à les vouloir, on peut faire un encore. Normal de régulation. Donc, il n'y a pas de maladie là-dedans. On te parle de maladie, Oui, comme si c'était quelque chose de négatif, tu vois, qui venait dans ses peintres roues, et un mauvais sort qui te tombait dessus. C'est pas un mauvais sort. Il y a des gens qui me contactent, et puis ils me disent, voilà, qu'est-ce que tu feras à notre place? On a... cancer en stade 4 par exemple, puis bon, on parle, je leur explique un peu la physiologie, tatati tatata, la lymphe, le sang, enfin vous connaissez le truc, les cellules, hein, les glandes surrénales, parce que bien sûr je mets mes glandes surrénales sur la table très rapidement, mon petit intestin que je leur déroule, je leur parle des spasmes avec la petite girafe, si je la retrouve, enfin voilà. Le gars il parle avec son petit intestin. Je leur fais le full package, hein, je leur livre tout, bim, prenez ça dans les dents. Et puis la preuve, c'est ce qu'ils disent la plupart après, du temps, c'est... Ils ont mis les jeux en place, ils ont mis... Puis ils me contactent, ils me disent, ouais, bon, moi, je suis cancéreux. Comme ton pimp, là, on vient de faire 10 piastres parce que je t'ai vendu ton regard. C'est terminé. Ah, il me dit, mais pourtant, le cancer, la prolifération tumorale, elle est encore là. Merci pour le 7 d'hier, d'ailleurs, ça a été le fun de te voir. Avant. Ouais, ça fait plaisir. Quand tu étais en train de descendre, mais là, tu l'es plus. Là, t'es régénéré. T'es en cours de régénération, ça se manifeste, il faut le temps, il faut le temps. Alors, c'est vrai que ce temps-là, il peut être raccourci. Et c'est la voie du miracle, c'est la voie de la grâce, pour certains. C'est impoli de mettre ses glandes surrénales. Il n'y a rien qui ne s'appuie sur la physiologie. Quand il y a des miracles qui se passent, parce qu'il y a des personnes pour qui il se passe des miracles, pour qui il y a des guérisons quasi spontanées, c'est juste une accélération du processus normal, du processus qui a été créé en nous, qui a été déposé par Dieu. Donc de toute façon, c'est juste qu'il s'appuie sur ses propres lois pour accélérer la chose. C'est tout. Ah bah, rien de moins. Peut aussi passer par le corps. Peut aussi passer par l'épanouissement et la régénération des corps. C'est un bon temps pour la repentance actuellement d'ailleurs. C'est un bon temps pour la détoxination. Nous approchons de Pâques. Bah, c'est toujours un bon temps pour se détoxiner. Très très important. Et se repentir. Cette année, ça ne tombera pas le même jour, mais l'année où je suis né, c'était le jour de Pâques. Et ça a toujours été un symbole fort pour moi, un symbole très très fort. De la résurrection. Ouais. Dans une grosse semaine, ça sera Pâques. Et effectivement, Carl. C'est un bon temps pour lancer une détoxination. J'aurais difficilement ça dit mieux ça que ça. Je vous y encourage. En tout cas, ça sera ma démarche. Pour les personnes qui en ont assez de faire le yo-yo, pour les personnes qui en ont assez d'être la proie finalement de leurs addictions, qui en ont assez d'être la proie de leurs compulsions, qui se retrouvent mal le soir parce qu'ils ont fait n'importe quoi et d'un seul coup ils ont disjoncté. La woke vision. Qu'est-ce que je vous propose? Vous l'avez remarqué, dans quelques jours, ça va être Pâques. Pâques pour moi c'est un moment très très fort. Je suis né personnellement le jour de Pâques et ça a toujours eu une importance colossale dans ma vie. Nous sommes à quelques jours de Pâques, je vous propose simplement un chemin vers Pâques, un défi à toutes vos croyances,
Alors, en défi à toutes vos croyances en matière alimentaire, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être pour l'un. Bonne idée, de pour l'autre, une cure de jus. J'encourage beaucoup à se lancer dans une cure de jus. Moi, je suis personnellement dans une cure de jus déjà depuis quelques jours. Je pense aller au moins jusqu'à... Dis encore le mot cure de jus, s'il te plaît, ça manquait pour ta phrase. Oui, hein. Détoxiné, mais jusqu'où? Ah ben, des deux bords, manifestement. Un petit peu devant, un petit peu derrière. Ce que je sais, c'est que chaque jour est meilleur. Chaque jour est vraiment meilleur pour moi. Chaque année est vraiment meilleure pour moi. Donc, je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter là. En plus, on rentre en plein dans la saison des melons et des pastèques. Je vais pas m'arrêter là, je vais vous dire. Eh, grosse merde, quoi. Parce que, finalement, mon apparence physique, mes conditions de vie, tout cela m'importe de moins en moins. Tout cela m'importe de moins en moins parce que j'ai plus l'âme, plus Dieu prend place en moi, plus j'ai cette sécurité qui se grandit en moi, plus j'ai cette évidence. Ben oui. Et c'est bien parce que je suis nourri de cette évidence que maintenant je peux attraper les gens par l'épaule aussi qui me disent « Oui, mais moi j'ai telle pathologie. » Et que je lui dis « Mais je me fiche de ta pathologie. Je te dis que ça va marcher. Je te le dis parce que c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle au travers de ces vidéos. Vous savez, des fois, je vois des commentaires. Heureusement, je sais bien que ces commentaires ne s'adressent pas à moi. Parce que si je croyais qu'ils s'adressent à moi, je serais déjà en train de me la jouer, je vous ferai les vidéos en costard. Non, je sais bien qu'ils ne s'adressent pas à moi. Ils s'adressent à la place que j'ai laissée pour accueillir l'âme. Ils s'adressent à la place que j'ai laissée pour accueillir Dieu. Entre 2011 Dieu et 2016, il y a eu des changements colossaux dans ma vie. Il y a eu des changements colossaux. J'ai changé d'alimentation, effectivement. Mais ce n'est pas ça qui m'a transformé profondément. Si on ignore... Quand en 2011, j'ai vécu par la grâce une véritable conversion, que j'ai pris le baptême et que j'ai été complètement transformé. J'ai été un lecteur des évangiles, je suis issu d'une tradition chrétienne, bien que n'ayant pas une tradition religieuse, mes parents étaient enseignants, donc plutôt laïque. Laïque et pas du tout de pratique religieuse. J'ai pas fait le parcours classique, on va dire, des enfants en France. Mais par contre, j'ai toujours été un lecteur des évangiles. Parce que l'histoire de Jésus marchant dans ce monde, finalement, et la puissance de son message, la puissance de ce qu'il proposait aussi, m'avait toujours fasciné. Mais vraiment, c'est un terme de fascination. Et à l'époque, il y avait vraiment des termes aussi qui résonnaient très fort en moi. Par exemple, par rapport à cette fulgurance que j'avais ressentie, quand il te dit, voilà, la vérité est en vous, le royaume est en vous, tout est présent. Cette histoire de Jésus vraiment me fascinait. Il y avait quelque chose de grand, de, bien au-delà de ce que je vivais au quotidien, quoi. Il y avait quelque chose de gigantesque, quoi. Quand je lisais les paraboles, je disais, waouh, là, c'est... Ça me paraissait quelque chose de lointain, par contre, tu vois. C'était quelque chose qui avait eu lieu à une époque avec un homme qui me paraissait au mieux une espèce de maître, on va dire, hein. Puis bon, voilà, je le rejetais à distance, mais il n'empêche, ça me tournait autour. J'aimais beaucoup lire des histoires, les histoires de Jésus, les paraboles, les évangiles. J'aimais beaucoup l'évangile de Matthieu, par exemple, me plaît beaucoup. C'est le gros leurre, finalement. C'est-à-dire qu'on donne des avoir un évangile préféré. Les seuls grands hommes, finalement, sont des hommes qui laissent passer Dieu, finalement. Je peux parler et servir mon propre ego. Et à ce moment-là, c'est absolument désastreux, parler et servir ma propre image, ma propre arrogance. Ou je peux parler en étant relié à quelque chose de plus grand que moi, et juste être un espèce de tuyau creux au travers duquel passe une parole. J'espère que c'est ça. Ah, il s'est rendu pro-Jésus, tout. Je fais tout en tabarnak. Pour que ce soit ça. Oui, au fil du temps. Ma sélection de vidéos ne monte pas trop parce que je voulais pas trop aller là. Il devient de plus en plus grand. La direction principale des vidéos qu'on trouvait sur Internet. Aujourd'hui encore. Mais il est très très ami avec Dieudonné et puis avec tout l'extrême droite catholique. C'est pas moi qui sais ce qui est bon pour moi. Savoir si je dois faire cela, si je dois voir un tel. C'est toujours à cause des juifs. Dis-moi ce qui est bon. Pour moi. C'est pour ça qu'il veut extraire les Jews. Vous n'avez pas envie de prononcer parce que vous le reliez à tout un système un petit peu qui ne vous plaît pas. Ok, mais simplement, en ne le prononçant pas, vous vous privez finalement de cet accès direct au Seigneur qui vous prend aussi petit, aussi faible, aussi comme inadéquat berger, que vous soyez, aussi handicapé que vous soyez. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, comment t'en es arrivé là? Faut pas croire que je sois plus illuminé, plus chanceux que les autres.
Ma seule chance à moi, ça a été que pour moi, Dieu s'est appuyé sur ma maladie. Cette foi en Dieu pour moi, je manifeste cette communion à l'intérieur, vraiment. Et par ma présence, j'ai envie, je vous montre ce que vous pouvez vivre et je vous en donne envie. Ouais, je vous en donne envie. Parce que si on ne te dit jamais qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est la fameuse histoire que je raconte, le gars qui est assis sur un coffre plein d'or. Il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit, mais sur quoi es-tu donc assis? Et donc le vieil homme lui dit, oh, je suis assis sur une vieille malle pourrie. Et l'autre lui dit, et qu'y a-t-il dans cette malle? Et l'autre lui dit, bon, j'en sais rien, certainement des vieux chiffons, j'en sais strictement rien. Et donc le passant lui donne, mais tu n'as jamais demandé? Tu n'as jamais regardé? Et l'autre lui dit, non, non. Merci, donc Marrakech, c'est insiste, gentil. Regarde donc ce qu'il y a dans cette malle. Et à ce moment-là, l'homme s'exécute, il ouvre la malle et elle était pleine d'or. Et toute sa vie, il a été assis sur un coffre plein d'or. Eh bien, toutes nos certitudes, toutes nos limitations, toutes nos pensées de manque, ce sont ces coffres d'or sur lesquels nous sommes assis nous n'ouvrons même pas. Il y a en nous, si nous voulons vraiment nous y connecter, une réserve on va guérir le COVID, là. D'invention, de génialité. Ça va être bien froid pour tout le monde, un peu de massage, puis de carotte. Colossale. Et vous savez pourquoi je me permets de dire qu'elle est colossale? Parce qu'elle n'est pas de nous. On n'a rien à voir avec nous. Elle est déposée en nous. C'est ce que je nomme Dieu. D'ailleurs, avant toute vidéo question-réponse, je lui dis, utilise ma bouche, parle par ma bouche. Hey. Et vous avez vu à quel point finalement Merci de préciser. Un point d'honneur finalement à démonter les stratégies de l'intellect. Hey, qui tu crois qui te donne tes intuitions? Qui tu crois qui te donne ces idées comme ça, qui jaillissent, qui sont ben des bonnes moi, idées? Ben moi, je suis capable de me donner des idées tout seul. Ben c'est lui. Ben tu vas me dire, non mais attends, je l'entends pas parler, t'as déjà entendu la voix de Dieu? Mais ouais, je l'entends, dans mon cœur. Je l'entends dans mes tripes, dans mes boyaux. Je l'entends des choses qui me frappent, qui me réveillent en plein nuit. Ah, sacrément, de ça. Il faut que tu fasses ça. Attendez, on n'avait pas besoin de ça, là. L'association Régénère a filmé les stages qui sont donnés tous les ans. Comment, et donc, ils ont été mis sur une clé USB. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, la clé USB, qui est normalement au prix de 100 euros, n'est pas au prix de 95 euros, non. Non pas au prix de 90 euros, non. Non pas au prix de 85 euros, mais au prix de 80 euros, pour une durée extrêmement limitée. Sur cette clé, tu as la vérité. Mais juste la vérité du fonctionnement biologique du corps humain. Et quel que soit ton handicap, si tu regardes cette clé, tu n'as même pas besoin de regarder son contenu. Le simple fait de le tenir dans sa main, ouf, tu vas bien. Donc n'hésitez pas, il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas. La secte fonctionne en disant, vous êtes les meilleurs à l'extérieur, ce sont des crétins. Ce sont ceux qui n'ont pas compris. Vous avez la vérité révélée à l'extérieur, ils sont dans l'obscurité. Vous êtes les plus forts, à l'extérieur, ils sont plus faibles. Vous êtes ceux qui détenaient la vérité suprême, eux, ils sont dans l'obscurité, ils marchent dans les ténèbres. Et finalement, sous prétexte de ne plus avoir de forme religieuse, j'ai créé des adorateurs de la carotte, des disciples de la pastèque, des adorateurs de l'argile ou du complément alimentaire. De l'argile. C'est ce à quoi j'aspire dans ces vidéos. Manger de la glace, c'est un autre de ces affaires. L'appliquer à vous-même et qu'ensuite vous alliez la porter. Hein. Ben, vraiment, mais bousculer des choses. Peut y avoir des avantages à l'argile. Je sais que ma blonde qui est vétérinaire en donne à son cheval quand il se laisse. C'est total et on te dit, non, ça sert à rien, pose pas de questions. T'es pas médicament en France qui est l'équivalent des Tums, mais qui est de l'argile. Puis ça marche très très bien. Ok. Au-delà de ça, c'est assez limité. La connaissance. Et à la fois, tu apportes le soin et tu apportes la connaissance et tu donnes à l'autre la possibilité, mais vraiment, de s'autonomiser. Mettons que les spectacles en France, c'est vraiment magique quand t'as la chiasse ou que t'as envie de vomir. Et collectivement, des choix de vie qui vont dans le sens de la régénération. De toute façon, il n'y a pas de choix. La glaise. Soit tu dégénères, soit tu régénères. On va me dire, ah, le gars, ce gourou, secte et machin chose. Mais non, c'est juste ouvrir les yeux. Je veux dire, soit tu laisses les forces de l'homéostasie normale du corps s'exprimer et à ce moment-là tu te répares, soit tu ne laisses pas s'exprimer. Aussi, effectivement, ma mort, oui. Il n'y a pas d'enjeu. C'est ce qu'elle fait sur son cheval. Il s'agit de cheval. Choisir. Maintenant, les lignes de bataille, elles sont clairement tracées. Les lignes de bataille, c'est entre dégénérescence et régénérescence. Et il s'agit de se positionner. Chacun d'entre nous, on a à se positionner. Oui, Cosmos, c'est aussi pour la peau. Pour nos proches, pour tous les gens que nous allons croiser.
Et c'est là la surdouance. La surdouance, c'est d'être capable de prendre l'enfant où il en est et de l'accompagner. Et parce que la douance, ça suffisait pas. De se perdre, de ne pas compter son temps, de ne pas compter son attention, de ne pas compter son soin. Ça, c'est la vraie surdouance. Les autres surdouances, sérieusement, moi, ça ne me change rien à ma vie. Alors j'ai créé, non, parce que tout le monde fait, et moi je suis rentré là-dedans, comme un petit singe savant que je peux être. Hein. Alors là, c'est bon, là on rentre dans le truc secte gourou, hein. Je vous préviens, c'est, vous pouvez fermer. Hein. S'il y a des RG, je les salue, ils peuvent en filmer à partir de maintenant. Comme ça, vous allez vous dire, il se tire une balle dans le pied. En fait, tout son business, c'est de fournir des extracteurs de jus et des changements alimentaires. Parce que finalement, la plupart du temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart RG, du temps... RG, c'est les renseignements généraux en France, donc c'est un peu... La seule contrainte spirituelle que je garde... Pas les services secrets, mais... Mes yeux et mon esprit absolument... C'est une forme de police. ...à tout instant et tourné vers la lumière. Pour moi, ma lumière, c'est Dieu, donc je tourne mon esprit en permanence vers Dieu. Je ne laisse pas l'ego et le mental se répandre. Mais pour ça aussi, je suis aidé par l'alimentation que je reçois. Par les fruits qui ne viennent pas perturber mon système, qui ne viennent pas agresser le système, renforcer la prépondérance du moi. Je suis aidé par le fait que je n'introduis pas des poisons que sont le gluten, les produits laitiers, les produits crus. Oula. Une tentative d'intrusion. Wow, un autre solide montage, mon chum. Tabarnak. C'est excellente chaîne, Acles. Ça fait beaucoup de stock. Est-ce qu'on va avoir une troisième partie, tu penses? Ah ben, on peut se faire une troisième partie parce qu'il y a deux affaires et puis le dernier, c'est un ciné-conspi d'une heure et demie, donc on peut se garder ça pour une autre fois. Oui. C'est un documentaire. En même temps, si tu veux venir nous parler d'un autre sujet, faut pas que tu te sentes comme si je refais une affaire, je ferai deux sujets à la fois et puis... J'enchaînerai de Casasnovas à autre chose. Ben voilà, c'est... Tant que tu te sens bien libre, là, mais je veux dire, quel personnage fascinant. Ah, c'est... Oui. Il vient d'ailleurs. Il nous reste un petit clip ici, avec Alex Fellini, le réalisateur. Ça va être finalement un teaser pour la troisième partie... Et puis, plus une partie sur autre chose. Si d'ailleurs, il y a quelqu'un ou quelque chose dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à venir me voir sur, dans le chat ou sur les réseaux sociaux. Vous savez où me trouver. Et puis ça sera... C'est finalement un peu un teaser de la prochaine partie. Au travers de son association Régénère, Cyril Casasnovas a contribué à faire un focumentaire. Et là, ça va être l'interview avec le réalisateur du documentaire. Un certain Alex Fellini. C'est ça. Qui ne fait que des documentaires de source. Il en a, je pense, 3 ou 4. J'étais pas vraiment passionné par le monde qu'on me proposait jusqu'au jour où, avec ma tante et mes cousins, on tourne des films tous les étés. Ce milieu de la caméra, d'un monde un peu qu'on réinventait ou quoi, c'était... J'avoue qu'Irène Grosjean, ça bien. Il y a un moment où les On va laisser Yann choisir. Écrivez-y, dans jamais, le fond, il vient de dire écrivez-moi. Écrivez-moi plutôt que peut-être le mettre sur le chat, parce que comme ça, faire une école de cinéma, je l'aurai. Mais sur Messenger, Yann Becker, puis vous allez voir. Long-métrage de cinéma, court-métrage. Dans mes amis, on a des amis. J'ai eu une bonne surprise quand même, c'est qu'à un moment, j'ai appris qu'on pouvait vivre avec le statut d'intermittent en faisant des films. Donc le statut d'intermittent, ce qui est génial, c'est que si tu fais un long-métrage ou deux par an, ben, tu as à peu près 6 mois de libre. Et là, en fait, c'est la première rencontre avec le temps libre, mais le temps réellement libre, c'est-à-dire un temps où personne n'attend rien de toi. Depuis tout jeune, on est dans des environnements où on doit régler des comptes, où il y a des gens qui attendent des choses de nous. De Marrakech, moi, c'est Bombay, Nigeria. La société. Et là, j'étais dans une case où mes parents n'attendaient rien de moi. J'avais un métier, j'avais une case, une carrière à faire. La société, elle avait prévu ça. L'école, j'en étais sorti. Donc voilà. Mais ce temps libre, tu commences à lire des livres qui t'intéressent de plus en plus, de Jacques Kerouac à Krishnamurti, à faire des voyages aussi. Plus tu passes du temps avec le temps libre, plus tu es amoureux de lui. Et ta santé, plus tu es amoureux de la qualité de vie que tu peux avoir, en fait,
En fait, de se confronter soi-même, et plus c'était dur en fait de retourner travailler, même 4-5 mois par an, sur des projets où voilà, c'est de la pub ou des longs métrages sur Paris, donc beaucoup de compétition. Tu sais que derrière toi, tu as une queue leu-leu de 50 personnes qui veulent faire, qui veulent ta place. Ton chef, il le sait aussi, donc parfois, il se permet de mal parler, etc. Voilà, très peu de sens. Très peu de sens, en tout cas, à mon goût. À 23 ans, je me suis dit, waouh, est-ce que je me vois vivre comme ça? Ça, c'est un élément qui est important aussi dans la sauce. Se créer du sens. Me forcer à ceci, cela. Parce que parfois, c'est un métier que j'ai choisi. L'univers, la vie, ça n'a pas de sens. Forcément, comme tu fais tout ça H24 dans toute ta vie. Et puis parfois, les choses sont difficiles, donc il faut se donner une raison pour laquelle on affronte ces difficultés. Et le second point, c'est effectivement, on est libre à la hauteur des responsabilités qu'on veut bien porter. Donc les responsabilités, c'est au moins sur nos besoins vitaux. Donc comment on se nourrit, comment on fabrique notre maison, comment on se soigne, comment on s'éduque soi-même et son enfant. Puis comment on décide de vivre ensemble, on crée un lieu pour vivre ensemble. Donc, factualité pour le gars qui trippe sur le pédophile. Personnel et profond vers ces besoins vitaux-là, on laisse le choix des institutions de faire ces choix-là à notre place. Et du coup, on laisse au hasard ou quoi, en tout cas, à ces institutions-là de mettre leur intention. Elles ne font pas forcément des choix bons pour nous. Ben, notre révolution intérieure, premier film sur un voyage, c'est vraiment un voyage avant d'être un film en Amérique du Sud pendant 2 ans. Ben, très vite, moi, je sentais qu'il y avait un gros manque. Moi, je lisais beaucoup de livres très puissants, mais dans le cinéma ou quoi. Absolument, Malcolm. À part Into the Wild, que je suis allé voir 15 fois dans la semaine où il est sorti, je me disais, allez. Puis même encore, Into the Wild, ça ne parle pas de toutes ces nouvelles idées ensuite pour vraiment vivre durablement sur la Terre. C'est juste une intention de, voilà, je peux découvrir le monde par moi-même. Donc je me disais, c'est un peu dommage d'avoir appris à communiquer. Au final, moi, les images, c'était un peu la façon pour moi que j'avais choisi pour partager avec l'autre, pour parler avec l'autre. Et donc je me suis dit, on va quand même utiliser ça pour raconter ce que je vis, raconter qui on rencontre et tout ça. Puis parce que ce métier-là, moi, je l'aime bien toujours. Hein. L'idée, c'était vraiment de ne pas rompre à 100% sur tout ça. C'est de changer vraiment le fond. Voilà. Et chemin faisant aussi de se créer un mode de vie qui est moins demandeur en temps, en énergie, en argent, pour que je puisse être aussi de plus en plus libre sur le choix des films, de ne pas avoir à faire un film pour survivre et du coup avoir à trouver un sujet pour survivre, où là du coup ça devient un peu faux. Mais vraiment de rester sur l'enthousiasme de « Ok, là je sens que c'est important et vital pour moi ». Bonne nuit, Steph. Ce film existe parce qu'il n'en existe pas. Ah oui, bonne nuit, Steph. Pas comme je voudrais qu'il soit filmé. Mike Ribeiro, ça. Puis, le jour où j'ai rien à raconter pendant 15 ans, j'ai rien à raconter et j'ai ma petite vie qui ne me demande rien. Voilà. Yes. Pour moi, dans le monde de la santé, un peu tristement, à la fin, dans tous les trucs que j'étais allé voir avant, il y avait quelque chose à vendre à la fin. Que ce soit un régime, des plantes qui nous sauvaient, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des médicaments. Il y a toujours un truc à la fin qu'on nous vend qui réglera notre souci. Et moi, c'était à la suite d'une discussion avec quelqu'un en Amérique comme du Thierry, Sud. Comme Thierry. Quelqu'un qui s'y connaissait bien. Parce que Thierry, il a quand même une application où tu payes des cossins. Cette discussion-là, il ne vendait rien. Et moi, je me suis l'association à laquelle tu souscris. Il a pris une vague de liberté parce que plus responsable. Parce que j'avais du socio-financement, il vend des livres à renouveler. Il me semble qu'il a des choses à voir. C'est juste fou parce que je sais comment je fonctionne en fait. Je sais un peu plus comment je fonctionne, donc c'est toujours de la liberté en plus. Et du coup, je suis plus responsable pour faire mes choix à moi. Et si demain, il m'arrive un truc sur toutes sortes de pathologies, je vais être moins facilement happé, on va dire, par la peur si quelqu'un en face de moi me dit « Ah, mais si vous ne faites pas ci, il va se passer ça ou quoi ?» Donc là, moi, je sais un minimum comment le corps fonctionne. Donc monsieur, tu es en train de te dire que tu as besoin d'un gourou pour gérer tes anxiétés. C'est génial qu'on voit peu. Au cas où si le pire t'arrive. Vivant, ensuite, et de bien comprendre que les principes sont vraiment les mêmes pour tous, mais la recette, la façon de mettre en pratique, c'est du Thierry qui est en train de régurgiter. Mais que tout ça, donc l'alimentation, le jeûne, la qualité de l'air, la respiration, l'environnement de manière très globale, le rapport aux émotions, la spiritualité, la méditation, quoi, tout ça, c'est des outils qui juste
mettent en pratique ces principes-là. Et moi, j'aime bien parler de ces principes-là pour voir ensuite comment chacun a envie de mettre en pratique, tout simplement. Et ce qui est cool, c'est que ça coûte rien à part des choix, donc des renoncements. Voilà. Bizarrement, je suis de moins en moins surpris. Je pense que quand on ne comprend ou quand on n'observe pas trop le vivant, on peut penser que c'est de l'ordre du miracle presque ou d'une surprise énorme parce que j'ai un cancer, j'ai une tuberculose, j'ai une sclérose en plaques, j'ai une maladie de Crohn, c'est dit incurable, donc c'est vraiment incurable, c'est des mots qui sont mis, donc si tu t'en sors, forcément que c'est miraculeux, forcément que c'est toi qui est plus que les autres ou quoi, mais quand tu comprends les principes, c'est de moins en moins une surprise en fait, parce que c'est normal que le corps se lave, et le corps se lave étant à chaque seconde vers sa régénération. Et nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est régénération, me semble, c'est pas un mot qu'on devrait bien appliquer à un corps humain. C'est ça, dans une certaine mesure, il y a des choses qui se régénèrent, mais ça se met en place. Voilà. Et du coup, c'est un peu, je prends souvent l'image d'un arbre. Aujourd'hui, on a un arbre qui est malade. La médecine moderne, elle va prendre du temps pour voir chaque feuille qui est malade, il y aura un trou différent dans chaque feuille avec une couleur différente. Donc on va inventer un produit spécifique qui répondra à cette forme-là, cette couleur-là jaunâtre pour la ramener verte, ensuite un peu rouge pour la ramener verte. Et quand on répond au tronc, donc au terrain, forcément que ça se diffuse dans toutes les feuilles. Et donc c'est pour ça de répondre à la cause au terrain. C'est hyper important. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on fait souvent des différences entre le physiologique, l'émotionnel et le spirituel. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a rien de plus spirituel que la matière, en fait. Que la spiritualité, elle pouvait aussi s'incarner pleinement dans nos cellules. Et quelqu'un qui se soigne d'une maladie dite physiologique ou quoi, il se soigne aussi dans ses émotions et dans sa spiritualité. En retrouvant une facilité avec son intuition, de connexion avec plein d'autres choses. Le rapport au temps, pour moi, c'est vrai que c'est à l'origine essentiel dans ce genre de projet de vie. Avec la technologie, on nous a vendu qu'on gagnerait beaucoup de temps. On a inventé plein de choses qui sont magnifiques, des machines à laver, et effectivement, tu gagnes des heures et des heures et des mal de dos en moins. Et puis j'aime bien d'ailleurs, pour raconter vite fait, un proverbe africain, c'est un Africain en face d'un Français, donc l'Africain n'a pas de montre, le Français a une montre, et l'Africain il dit toi t'as l'heure et moi j'ai le temps. Donc le temps de vie, mais du coup je pense qu'on a oublié un mot qu'on pourrait rajouter dans cette équation du temps, de la technologie, l'autonomie. Et pour moi c'est un peu aussi le sujet de mes films, c'est que tout écosystème, pour moi, est né et a vocation à être autonome. Un enfant est autonome de base pour apprendre. Un corps humain est autonome de base pour se soigner dès lors que son environnement est bon. En fait, un jardin-forêt, nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. C'est des écosystèmes qui produisent d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas sortis justement de leur environnement naturel et originel, on va dire. Donc de ramener cette question de l'autonomie pour gagner du temps. Aujourd'hui, quand tu as une maison qui ne te donne pas de facture, toi-même et un enfant qui ont pris cette responsabilité-là d'apprendre seul, en fait, de se dégoter les informations par soi-même, etc. Quand tu as un jardin qui tourne seul, etc., tu as beaucoup de temps pour vivre et faire des expériences sans forcément avoir un but ni lucratif ensuite, de survie ou... Voilà. C'est hautement spirituel aussi, parce qu'au final, faut pas se leurrer, mais on court après plein de choses à l'extérieur parce qu'on a peur de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc c'est une manière de fuir, c'est une manière de se fuir soi-même, et on passe une vie entière à ne pas se rencontrer soi-même, en fait. On rencontre tout plein de choses, les divertissements, le théâtre, le cinéma, des copines, des copains, des drogues, mais ce qu'il y a en nous, on peut le voir, c'est un voyage en tout cas qui se passe quand tu as du temps, quand tu as du silence et quand tu mets de l'énergie. Quand on dort, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que des fois, avoir un mode de vie où il y a peu de divertissement et qui te ramène à toi, c'est très enrichissant du coup. Ouais. Moi, je pense que le fil rouge de tous mes films, ça se résume en une question, c'est
quelle odeur, quel goût, quelle forme aurait le monde si on laissait plus d'espace, d'énergie et de temps à l'intelligence du vivant de faire son œuvre. Donc cette intelligence du vivant pouvant s'incarner dans l'enfance quand on parle de l'éducation, dans un corps quand on parle de santé, un corps pouvant être plein de niveaux, dans l'autre avec un gros A quand on parle de vivre ensemble, aussi dans une maison, dans la construction. Et c'est du beau discours, ça. C'est la responsabilité. Et du coup, ça a forcément un coût. C'est vrai que cette liberté-là a un coût. Un coût en temps, un coût en choix, parce que du coup, tu renonces à certains divertissements. Moi, à un moment, j'ai fait vraiment ce choix-là sur Paris. Je commence à gagner de l'argent. Qu'est-ce que j'en fais, en fait? Est-ce que je l'utilise directement? Mais c'est-à-dire qu'il m'en faudra toujours pour alimenter une machine et ma vie à moi. Ou je fais le choix de renoncer à des divertissements, à des sorties avec des amis ou quoi, mais pour me permettre d'avoir plus de connaissances, me payer des voyages, des livres, me payer une caméra pour filmer, pour devenir plus libre. Donc la liberté a clairement un coût. On peut choisir de ne pas être libre aussi, c'est un choix qui se respecte aussi, mais j'aime bien une phrase du Che Guevara qui dit, bon, elle est un peu radicale, un peu comme à l'image de sa vie, mais enfin, c'est si tu ne fais pas la révolution, en fait, tu ne peux pas te plaindre. C'est ou tu acceptes sans te plaindre, ou tu fais en sorte que ça change en se responsabilisant. Mais depuis tout jeune, on nous déresponsabilise de tout, donc c'est par habitude qu'on. Depuis tout jeune, on se déresponsabilise, Chris. Son adolescence, quoi, son adolescence où elle expérimente et elle est toujours dépendante de sa mère qu'est la société pour qu'il survive, quoi. Quand je suis à Pourgue et qu'on rencontre que du monde en mouvement qui se questionne sur plein de sujets, on se dit waouh, mais c'est génial, là il y a vraiment un truc qui se passe. Mais après, je vais en ville voir mes potes sur Paris, en tournée, en cinéma ou quoi, où tu te dis putain, c'est fou comme ça change pas les choses. Mais après, tu prends un peu de recul et tu te rends compte qu'à l'échelle d'une vie, les choses ont changé énormément. Donc à l'échelle de la Terre, c'est absolument rien. C'est un quart de seconde, c'est même pas. Donc oui, les choses changent. Et qu'on le veuille ou non, que ce soit par la sagesse ou la souffrance, on sera amené à changer aussi. Donc moi, c'est un peu aussi le but de mes films, c'est de comprendre que ce choix-là, on le fait aussi pour nous. Moi, tous les choix que je fais, de choix de vie, de filmer et tout, même, enfin, surtout le choix du mode de vie, je le fais avant tout pour moi. C'est ni pour sauver la planète, ni pour sauver mes enfants. C'est d'abord pour moi, parce que j'ai compris. Mais ça, au moins, c'est. J'ai gagné beaucoup plus de conscience. Je pense qu'il y a un réalisme là-dedans encore que j'arrive à trouver louable. Bah, tu arrives à dire que tes opinions, c'est finalement pour toi-même. Puis que si on fait chacun notre part pour nous-mêmes, et finalement, toutes ces parts cumulées, on fera bien plus pour le collectif que uniquement la somme de nos parts pour nous-mêmes. Oui, il y a là bien intentionné. Je pense que c'est pas ça son propos, Et surtout, le luxe d'utiliser toutes les parties de son corps. Quand je faisais des films, tu n'utilises qu'une partie de ton corps, ton cerveau pour imaginer, créer, et ta main pour porter la caméra. Mais quelle richesse de mettre les mains dans la terre, de construire sa propre maison, de faire la vaisselle, de faire le ménage, d'organiser une formation, de parler avec des gens. Donc, tu utilises tout ton corps. Donc, forcément que tous tes organes, toutes tes parties de toi, elles te disent merci, on va dire, parce qu'elles sont là pour vivre aussi, pour expérimenter. Et voilà. Et Quentin, j'aurais aimé ça qu'il nous parle un petit peu plus de comment il a rencontré Casas Novas, mais bon, hein, c'est une très bonne manière de finir ce deuxième dossier sur Thierry Casas Novas, de nous préparer à ce long focumentaire sur sa vie, hein, qui a été tourné par cet Alex Ferrini ici. Merci beaucoup, Yann Becker. Ben, toujours un plaisir. Merci à tout le monde. Merci à toi.
Merci de pour ta job de modo aussi. Ben oui, merci à Pierre d'être passé. On n'a pas encore tout à fait fini. Là. On va finir le bloc Ian Baker. J'ai pas vraiment de clip, là. J'ai juste des images que je veux passer pour bien finir ça ici. Merci si vous nous avez écoutés en archive. N'hésitez pas à contacter Ian Baker sur Twitter, sur Facebook si vous avez un sujet à proposer. Merci tout le monde. Fin de générique de la fin. C'est bon.